Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel épisode des manuscrits de Maître Aemon, le podcast salon de lecture de la Garde de Nuit, l'association consacrée au Trône de Fer et aux œuvres de George Martin, association française puisqu'il en existe un peu partout dans le monde. Je suis Namande et ce soir j'ai le plaisir d'être accompagnée par Willa Bonsoir. et par Shrodi. Coucou. Alors, on est un petit peu en retard ce soir, il y a eu des petits problèmes techniques. S'il y Mais a des non, soucis que de 5 votre. minutes. Oui, voilà, C'était les léger, chuchoteurs. léger, c'est chuchoteur. Si On jamais essaie de nous justement faire. il y a des problèmes techniques de votre côté dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Shrodi et Willa pourront passer l'info. Tout à fait, on relayera. Ce soir, on est là pour vous parler d'une super saga, d'une trilogie en 3 tomes, Le Chevalier aux épines de Jaworski, paru aux éditions des Moutons Électriques, qu'on remercie beaucoup pour leur service de presse qui nous ont permis de découvrir en avant-première notamment le dernier tome de cette trilogie qui est paru là le 25 janvier, si je dis pas de bêtises. 24 ou 25, je sais Oui, plus. 24 ou Ouais, hein, c'est 25. ça. Donc Récemment. ça nous a permis, grâce à eux, on a pu le lire et on va pouvoir vous Et en finir à parler ce temps. soir et finir à temps. Mais avant de se plonger dans ce superbe roman, on va vous parler des futurs Twitch de, des, oui, des futurs Twitch de la Garde de Nuit. Le prochain, c'est La Cité diaphane d'Anouk Faure, qui est paru chez Argil. Je n'ai plus la date en tête. Pendant que l'un de vous fait la recherche, je vais vous dresser un petit peu le topo de ce livre. La Cité diaphane, on va se plonger en fait dans le récit de Roche Étoile, une cité qui était autrefois majestueuse et qui est tombée dans l'oubli suite à un mal un peu inconnu. Et donc on va suivre un archiviste en fait qui part là-bas pour essayer de découvrir ce qui s'est passé et Roche Étoile, il n'y a plus personne, peut-être quelques spectres qui pourront lui expliquer ce qui s'est passé. Voilà, donc une superbe lecture, un seul tome, et c'est le prochain Twitch qui aura lieu du coup Le 13 13. février. 13 février. Vous avez le temps de le lire ici très vite et très bien. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'écouter nos amis de la garde en parler. Et on ne s'arrête pas là, puisqu'il y aura un autre Twitch fin février. En Le quoi? 20. Oui, le 20 février. Le 20. Oui, le 20 février, c'est ça. Oui, le 20. Oui, là, est-ce que tu peux nous en dire plus, Ah sachant que je serai oui. avec toi et John pour le présenter? Oui, on sera tous les trois, souhaitez-nous bonne chance parce qu'on présentera l'intégralité de la saga Le Cœur des Dragons, donc de l'américaine Jane Lyons. Si vous suivez un petit peu les manuscrits de Maître Aemon, il y a eu un premier live sur le tome 1, donc Le Fléau des Rois, c'était le tome 1, et nous on va parler des quatre suivants. Donc, je ne vais pas vous en dire trop, à part qu'on se trouve dans un univers fantasy, avec, comme son nom l'indique, des dragons. Et si vous aimez les peuples de toutes les couleurs, les histoires de famille et de réincarnation, cette série et ce live sont faits pour vous. Bah super, bien résumé. Et si les notes de bas de page ne vous font pas peur? Non, c'est pas des notes. Alors, moi, tu trouves que tu fais peur comme ça. C'est pas des notes de bas de page pour expliquer des trucs scientifiques, des références à des Non, sources non, non. hautes. Ça Il fait. y a des petits jeux avec les notes de bas de page. Ouais, ça fait partie de l'histoire. C'est partie du charme. Exactement. Donc, 13 février pour la Cité diaphane et 20 février pour Cœur de Dragon. Et donc pour ce soir, on revient sur la saga du Chevalier aux épines. 3 tomes, comme on le disait. On va essayer de faire une partie sans spoil sur les 3 tomes et petit à petit de spoiler. On va essayer de le faire au début un peu par thématique. On va pas trop parler, je pense, du tome 1, parce que sinon on n'en finirait pas. On a déjà fait un Twitch sur le sujet, le replay, il est disponible sur YouTube. Vous l'avez peut-être déjà suivi, hein, d'ailleurs. Je vais juste rappeler un petit peu. Ben non, je vais laisser Shrodi rappeler un peu le contexte du tome 1, et ensuite je rappellerai ce que chacun en avait un peu pensé.
sans préparation, c'est pas Non, cool. voilà. C'est Je pas fais grave, je me la suis technique, préparé. je fais les passe-plats, je te laisse faire le reste. T'as bien raison. Donc, présentation du tome 1, c'est ça, sans spoil. Ouais, oui, sans spoil, vraiment rapide. Alors, ça se passe après les événements de Gagner la guerre. C'est un roman qui se passe dans le monde du vieux royaume, dans lequel donc il y a déjà Janua Vera, le recueil de nouvelles enfin le recueil de nouvelles. Il y a eu Gagner la guerre, il y a eu Le sentiment du fer. Et donc là, le chevalier aux épines, ça se passe dans le duché de Bromael, qu'on connaissait déjà grâce à la nouvelle Le service des dames, au service des dames, le service des dames de Janua Vera, dans lequel on rencontrait un charmant chevalier qui s'appelle Aedan de Vaumacel, qui rendait service à une dame, la Comme c'est bien comtesse dit. de. Ouais, la gentille comtesse de Brégor. Bref, il se passait quelques aventures, tout ça. Bref, on retrouve ce chevalier plus tard dans Le Chevalier aux épines. Le Chevalier aux épines, c'est lui, hein, c'est Aedan de Vaumacel. On le retrouve alors qu'il est en pleine recherche d'enfants disparus. Il est accompagné de son écuyer Nem, je sais pas comment on le dit. Oui, je Oui, dis je pense qu'on comme dirait toi, comme ça. Name. Name, ouais. Et un petit page qui s'appelle Coel. Ah, là, on le dit différemment. Tu le dis comment? Cole? Call. Cole? Ouais, je crois. Un petit page un peu effronté par moment. Et donc, ces trois-là sont à la recherche d'enfants disparus. Et voilà, ça va être le début d'aventures, de folles aventures, parce que le monsieur, il y a quand même pas mal de personnes qui lui en veuillent pour d'anciennes histoires. Et puis voilà, ça va très vite le rattraper. Ok, nickel. Très bonne introduction. Merci, Stéphane. Merci. Je me souviens que toi, tu avais vraiment apprécié cette lecture. Oui, mais pas. J'avais mis un petit sourire. Oui, tu avais mis Petit un petit sourire. sourire. Bon, c'est quand même un sourire, moi, je trouve. Parce que Willa et moi, on avait Oui. plutôt été raccord pour dire que Ouais. oui, mais en même temps, c'était. Voilà, il y avait des choses à revoir. Je crois qu'on avait toutes les deux davantage aimé après le live, Oui. en Après discutant finalement. On discussion. Après avait discussion. tous plus apprécié après discussion. Et je pense que si je devais le relire, je mettrais un smiley comme je te dis. Mais j'ai voulu rappeler un Moi aussi, peu, smiley. voilà, comment on l'avait vécu à cette première lecture. Moi, à la relecture, j'ai beaucoup plus aimé. T'aurais mis un cœur. Ouais. Eh ben écoute, si t'aurais mis un cœur, vas-y, je le fais, je le change en direct. Ah non, mais bah après. Voilà. Après, Toi. c'est enfin, c'est compliqué de dire Oui. qu'un livre, c'est pas qu'il devient bien, mais bref, qu'il faut le lire deux fois pour que ce soit vraiment cool. Mais pour le coup, je trouve qu'il est quand même. Il est pas simple. Il est pas forcément ultra accessible. Pas autant que Gagner la guerre, en tout cas. On est. Non, je suis Donc, d'accord avec il toi. m'a bien fallu deux lectures et pas mal de travail en dehors. Pour lire des analyses et des trucs pour Mais vraiment être écoute, à fond dedans, quoi. c'est l'effet Chevalier Land, comme tu disais. Ah ouais, on en reparlera. Pour ceux qui n'ont pas suivi le Twitch et qui auraient lu le livre, enfin, je vais éviter un peu les spoils quand même et je vais faire dans les Oui, grandes lignes, on vous me essaie. direz si j'oublie Ouais. des choses. Dans les points positifs, même si c'était difficile parce qu'il fallait se concentrer, il y avait la richesse du langage, le style. C'était un point fort comme un point faible un petit peu, parce que après gagner la guerre, comme on avait dit avec Willa, fallait s'accrocher au style. Néanmoins, c'était très imagé, on rentrait vraiment dedans. C'est très très bien écrit et l'ambiance fonctionne hyper bien. On se croit vraiment à Chevalier Land, du coup. Comme on l'appelle. C'est ça. Il y avait beaucoup de personnages et on avait eu du mal de mémoire à s'accrocher à ces personnages. On peut Oui. peut-être en parler de la préparation de ce Twitch quand même. Oui, bah c'est ça, c'est moi personnellement Je j'ai pris pense que énormément de notes. rarement dans l'histoire des manuscrits de Maître Raymond, il y a eu autant de préparation. Non, pas pour comment dire, pour vous hyper trop sur ce soir, mais en tout cas, nous,
Il nous a fallu beaucoup de préparation pour comprendre, pour noter tous les personnages. On a une liste On a un drive longue comme c'est pas possible on a une Google Doc maintenant. pour s'y retrouver. Et donc, ouais, on a créé un Google Doc pour tous les personnages. Ça fait Créativité. prendre, d'autant plus prendre conscience de la richesse de l'univers et des croisements qu'on peut faire entre les différentes œuvres. Enfin, ça peut se lire indépendamment. Ah ouais, mais je pense que tu passes à côté Mais on de le lit beaucoup de encore choses, hein. différemment si on a lu effectivement et les nouvelles et gagné la guerre. Mais bon, ça se fait de commencer par le chevalier aux épines. J'ai une amie à moi qui m'a dit que c'était sa porte d'entrée. Ça va être sa porte d'entrée, le chevalier aux épines, donc c'est faisable a priori. Ça va lui faire bizarre quand même quand elle va passer à gagner la guerre et... Elle risque d'avoir un petit choc. Je sais pas si gagner la guerre, je crois qu'elle avait lu gagner la guerre, mais qu'elle avait pas du tout lu ni Janua Vera, ni rien de ce Ok. qui passait en Bromaël en fait. Mais ça aussi, je pense que tu... Et en plus, on en reparlera plus tard, mais y a pas que celle-ci. En fait, quand tu Petit commences à teasing. tirer un fil. Quand tu commences à tirer des fils, tu te Ah mais retrouves ça avec une n'arrête pelote. pas. Mais enfin, c'est aussi un des trucs, je trouve, là, la relecture et pourquoi j'ai autant aimé. C'est aussi le lore et tout l'univers qui est quand même assez incroyable. Et même quand tu commences à comprendre des trucs, tu te rends compte. Enfin bon, plus tu comprends, plus tu te rends compte qu'il y a des choses à comprendre. Je sais pas si c'est très français, mais il Si. y a une richesse quand même dans l'univers. Alors qu'on est quand même sur un nombre de. Enfin, on n'est pas sur un cycle à 20 tomes, 20 hors-série, un truc dans lequel il te faut un guide pour comprendre ce qu'il faut lire, quoi. Là, j'ai 6 livres à côté de moi. C'est pas C'est si sûr en tout cas. incroyable que ça, et alors qu'en fait c'est très riche, voilà ce que je voulais dire. Mais c'est sûr que ça donne envie, par contre, de relire ce qu'on a déjà lu et de lire ce qu'on n'a pas encore lu. Oui, en fait, c'est la grande force, je trouve, de cette trilogie. Tu peux la lire indépendamment, effectivement. Et à la lecture, tu vas te rendre compte que déjà, ce serait pas mal de relire les tomes que tu as déjà lus de cette même trilogie. Mais que ce serait chouette aussi de lire les autres œuvres de Jaworski, si tu veux vraiment comprendre tout ce qui se passe. Pour apprécier encore plus. Alors moi, c'est le moment confession parce que du coup, j'ai aussi revisionné le premier live où je faisais que dire il faut vraiment que je relise tout, il faut que je lise ce que je n'ai pas encore lu. Alors spoiler, je n'ai pas relu Gagner la guerre et j'ai lu quelques nouvelles, je crois que j'ai lu deux nouvelles et je n'ai pas relu le tome 1. Et je regrette un petit peu, mais du coup, c'est intéressant parce qu'on aura plein d'approches différentes vu que Schrödi, lui, a relu. Donc on a abordé les tomes 2 et 3 chacun différemment parce qu'on n'avait pas tous lu ou relu les mêmes choses. Donc c'est intéressant aussi. Bah personnellement, j'ai rien relu depuis qu'on a fait le premier live. J'ai juste lu le tome 2 et le tome 3. Donc même toi, Willa, t'as un niveau. Enfin, on a vraiment tous les trois un niveau différent. J'ai lu deux nouvelles, voilà, mais du coup c'est intéressant, c'est complémentaire. En fait, nous avons fait exprès. Et Nous nous oui. sommes Mais bien concertés pour que sûr. vous ayez trois prototypes Trois différents. expériences de lecture différentes. C'est ça. Vous vous rendez compte à quel point On a tout c'est beau ce qu'on gommé. fait quand même, hein. C'est très beau. Moi, je trouve ça magnifique. Pour en revenir au livre, enfin, voilà, en essayant de ne pas spoiler et de ne pas faire au début, en tout cas par chronologie, mais plutôt par thématique, est-ce qu'on peut dire que sur le tome 1, tome 2 et tome 3, on est d'accord pour dire par contre que au niveau des femmes, ça reste pas trop ça, quoi. Dans les points négatifs, moi je trouve que bon. Elles ont pas beaucoup voix au chef, elles sont pas très importantes, quoi. Alors, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que dans un univers de type chevaleresque, chanson de gestes, c'était justifiable, du coup, Oui. par rapport à leur statut. Moi, alors sans révéler d'éléments d'intrigue, mais moi, par contre, effectivement, quand on m'annonce un tome 3 qui s'appelle Le débat des dames, Bah, c'est ça. je m'attends à beaucoup voir les dames. Donc, voilà, c'est peut-être là qu'on les voit pas tant que ça, c'est peut-être là-dessus que j'ai était un petit peu déçu en revanche, parce que après sinon ça correspond avec cet univers très masculin et assez sexiste, hein, de toute façon, puisque la répudiation d'Odéhard, qui est un des axes principaux de l'intrigue, découle de tout ce contexte-là, de toute façon. Qu'on connaît dès le début, hein. C'est pas C'est pas du oui, spoil, donc on est dès le ce début. n'est pas un spoil.
Je suis d'accord avec toi en fait. Oui, là, je pense que le titre du tome 3 a été un peu trompeur. Sans spoiler, en fait, le tome 1 et le tome 2 n'ont pas le même narrateur. Et donc dans le tome 3, je m'attendais presque à avoir encore un autre narrateur qui serait éventuellement une dame. Ou des points de vue, ou les points de vue les POV Ouais, des femmes, en fait. Ce des qui aurait femmes. été intéressant parce que ça aurait été très complémentaire. Ouais. Parce qu'on aurait eu le point de vue chevalier, le point de vue d'une personne Qui qui n'est n'est pas pas partie de chevalier. cet univers-là, et le point de vue des dames. Je trouve que ça manque un peu. Ça aurait pu être. Alors, j'ai beaucoup apprécié hein, ce tome 3, mais bon, le titre est un peu trompeur. Après, Melly Wesh nous fait une remarque très intéressante dans le chat. Sans spoiler, les interventions des différentes dames, bien que peu nombreuses, sont sans doute sont en doute plus signifiantes que celles des hommes très nombreux. Tout à fait. Ça fait partie des passages les plus marquants, par contre, les interventions Des dames. féminines, et Ouais. surtout les propos qu'elles tiennent. Je pense à Ah une bah scène en face à particulier tout qu'on trouve pas le. ça. Face à tout le blabla de ces preux chevaliers, effectivement. Moi, il y a eu plusieurs scènes comme ça où on voit ces dames qui mettent parfois un peu la misère à ces chers hommes, et c'est assez savoureux. Oui, c'est assez savoureux en général. Dans une autre thématique, par contre, bah, sans spoiler, les introductions de chaque tome, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vraiment juste l'introduction, parce que je trouve qu'on a beaucoup à en dire. Vous voulez que je donne un exemple, Allez. hein? Dans le tome 1, on rentre, je trouve, tout de suite avec une métaphore. Alors si je me souviens bien, ça parle de vigne, enfin, c'est pour parler un peu du peuple versus un peu la Oui, chevalerie, si je dis pas de bêtises. c'est très bucolique, Oui. c'est les gueux qui sont au Ouais. champ, non? Ouais. Il y a une métaphore filée qui est très belle. Tome 2, c'est je pense pas que ça soit un spoil. On a le point de vue des personnages qu'on suit dans les livres, mais on a aussi une personne qui écrit des livres. Et l'introduction de ce tome 2, c'est la personne qui écrit des livres. Et j'ai trouvé ça très très bien écrit, c'était sublime. Et ça Je suis donnait d'accord. un ton assez différent. Enfin, pareil, on rentrait vraiment dedans. Donc je trouve que la force de Jaworski, c'est vraiment de nous refaire rentrer dans le récit. Le tome 3, bah c'est pareil, c'était un petit peu décevant pour moi cette introduction. Elle était bien, hein, mais on n'avait pas cet impact qu'avaient les deux tomes. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'était un peu une medias res, quoi, l'intro du troisième tome. C'est-à-dire, de Une suite, quoi? tu te retrouvais de suite dans l'action. Oui. Oui, c'est vrai que moi, il m'a fallu un peu du temps pour. Enfin, je crois que je l'ai vu en plus ailleurs que ça se passait un mois après la fin du 2. Qu'on était plus accompagné en fait Oui, là, dans c'était les assez abrupt. surtout dans Et le 2, c'est. quoique dans le 1. Non, c'est ça, pas... oui, c'est ça, pareil. Pardon, pardon, je redis. Non, je peux comprendre. Après, ça m'a pas tant dérangé que ça. Non, moi non plus, parce que finalement, le 1, on était direct aussi up dans la campagne avec les paysans en train de faire des trucs de paysans. En fait, c'est intéressant, enfin, dans ce Twitch, ce qui peut être, enfin, ce qui est intéressant, c'est de mettre un peu en comparaison ces trois tomes. Mais en fait, c'est C'est vrai vrai que. que c'est un peu. Vas-y, Vas-y, oui, je t'en là. redis, pardon. C'est bien, il y a du débat, allez-y. À la limite, le 1 et le 2, c'est un peu introduit de la même fa... Le 1 et le 3, pardon, sont un peu introduits de la même façon, dans la mesure où, paf, t'arrives dans. À un moment, c'est les paysans qui voient arriver les chevaliers, et l'autre, bah, c'est encore des chevaliers du coup, qui se déplacent vers un objectif. Et par contre, le 2, peut-être pour introduire ce nouveau narrateur, il fallait un peu plus poser les choses. Et donc là, on a une intervention du narrateur ou de la personne qui recueille du moins sous forme d'un livre les événements de ces trois tomes. On passe plus de temps avec elle et on la suit un petit peu dans son passage de flambeau, on pourrait dire, au narrateur du tome 2. Oui, je pense qu'il y avait une.
Je me... C'est pas un spoil que le tome 2 reprend des événements du tome 1 avec un autre point de vue. Je pense qu'on peut dire ça, En très grande ça partie, dira pas oui. grand-chose. Et donc que ça nécessitait une explication sur pourquoi est-ce qu'on revient un peu en arrière. Pourquoi est-ce que le tome 2 reprend pas la suite, sachant que le tome 1 finissait sur un cliffhanger? Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas tout de suite la suite? Sur les différents sens du mot débat, un commentaire de Melly Wesh, il y a genre littéraire médiéval qui mettait en scène deux ou plusieurs personnages allégoriques s'opposant sur un thème donné. Ah oui, mais pour moi c'était dans ce sens. Enfin, c'était. Oui, non, mais en fait, c'est juste nous qui nous sommes fait une idée en disant le débat des dames, ce sera telle dame qui va se fighter avec telle Telle dame. dame. On pourra Je pense qu'on expliciter peut-être a plus en tard. effet. Qu'est-ce qu'il y a? C'était nos envies en fait, on s'est laissé Ah bah orienter. Parce qu'à la clairement, Oui. On le disait à on la fin avait du envie. 1 qu'on voulait plus les voir, les dames. Après, je trouve qu'on les a vus et dans le 3, mais bon, ça vient pas de moi, hein, mais il y a un lien avec aussi je sais plus quel tome des Rois du Monde dans lequel le personnage rencontrait trois reines, trois personnages féminins assez charismatiques et. C'était je sais plus quel tome c'est, mais il était vraiment cool. Et bon, là, c'est un peu le même principe. Il y a trois grandes figures féminines, enfin trois voire plus. Non, dans le tome 3, il y en a peut-être trois. Bref, il y a peut-être un petit clin d'œil, c'était un peu la même chose. Mais bon, elles parlent pas forcément ensemble et il n'y a pas d'affrontement comme nous, on s'attendait. Mais on les voit d'une autre manière et elles ont quand même de l'importance, j'ai trouvé. Même si encore une fois c'est logique dans l'univers. Après Melly Wesh, je sais pas si on a lu la. Parce que Melly Wesh, en fait, dans le chat, ils nous ont donné la. Une des défis. Oui, Ah, c'est ce le que j'ai sens lu. du mot. Je l'ai Tu l'as lu. lu, pardon, je me souvenais pas. La mémoire à court terme. Je l'ai lu, je l'ai lu. Voilà. Et Et elle nous dit après, du coup. vu la culture de Jaworski, il connaît forcément. Oui, j'avais bien compris que vous aviez compris. Mais je veux dire que chaque dame représente allégoriquement une valeur et que chacune se débat. Je pense, effectivement. Ça se défend. Et en plus, moi, c'est pas. Ouais, après, c'est pas forcément les dames. Enfin, si Odehard, je me doutais qu'elle aurait une place importante. Oui. Mais. Bon, enfin, on va pas trop, pas trop le dire non plus. C'est pas forcément les personnages féminins auxquels je m'attendais qu'on a le plus vu dans le tome 3. Aussi. Mais bref, en tout cas, enfin, ça c'est l'anecdote, c'est par rapport à nos attentes. On avait fini le Twitch 1 en disant que c'était une des choses qu'on attendait de voir dans la suite. Donc voilà. Non, mais effectivement, on ne va pas aller plus loin parce que, comme dit Melly Wesh, ne pas spoiler est très difficile là. Donc Oui, c'est on va assez éviter les difficile écueils. de pas spoiler. On va essayer. Faut qu'on essaie de voir jusqu'à quel point on peut le faire et ensuite on se lance Ensuite, dans on les se spoils. lancera petit à petit, ouais. On n'a pas fait nos avis. Enfin, je sais pas. Namande, si t'as ce que t'as en tête comme sujet de discussion, si on fait les avis généraux. On peut faire les avis généraux, tome par tome, saga, sachant que saga, on en a un petit peu parlé, mais allez, on peut se lancer dans les avis sur le tome 2. Et par contre, pardon, du coup, pour le. Est-ce que. Alors, je sais pas comment on a prévu de s'organiser, mais le tome 2, je suis désolée, j'ai pas de mémoire à court terme ce soir, ça va être intéressant, je pense. Peut-être spoiler le tome 2 avant de parler du tome 3. S'il y a des gens qui n'ont Oui, on pas lu le pourra. 3, mais qui ont quand même Oui. envie d'avoir la partie spoil sur le On 2, comme il est pourra sorti essayer très de récemment. faire un spoil progressif. On Ouais, fait plusieurs. je pense que c'est ce qu'on va faire. D'abord, les avis un peu généraux sans spoil sur les tomes. Même si ça va être dur, juste histoire de dire, et puis après spoiler petit à petit tome par tome. Ouais, ça me paraît pas mal. Comme ça, les gens peuvent Ça me va. partir quand ils veulent. Voilà. Donc on a essayé de faire un peu thématique, mais je pense que c'est difficile de. Ça pourrait être à la fin, peut-être en synthétisant. Ouais. Au bout des 3h30 de Twitch, on va faire une petite synthèse. Non, c'est pour ça, j'ai dit si vous voulez voir le Twitch sur le tome 1, allez voir le Twitch sur le tome 1. Oui. On passera rapidement. Sinon, on va T'as pas s'en raison. sortir. Ok, je redis vu que t'en as parlé. Qu'est-ce que t'as pensé du tome 2? Bah, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu le temps de relire moi, le tome 1. Et enchaîner les deux, c'était très cool.
parce que le tome 1, c'est Chevalier Land et il y a une langue qui est associée à ça et ça demande quand même un effort. Le tome 2 est différent et, à mon sens, différent en mieux, on va dire. En tout cas, à la première lecture, j'ai vraiment adoré. Et voilà, il est très chouette. Là aussi, c'est difficile d'expliquer vraiment pourquoi, mais c'était super chouette. J'ai adoré, ça a bien relancé mon intérêt pour la chose. Et puis voilà, on reprend les événements. C'est quand même pas un exercice facile, je trouve, ce truc de réécrire des événements d'un autre point de vue. Ça peut être super, super boring et. Bon, en fait, on connaît déjà les scènes, et en fait, là, c'est pas le cas. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent ailleurs. T'as des petits clins d'œil qui se renvoient, qu'il y avait dans le tome 1 et vice-versa. Et donc, bref, c'était super chouette. Et on a un peu la suite du tome 1 dans le tome 2, un petit peu. Ça déborde un peu. Et puis voilà. Donc, ouais, j'ai adoré. Bah écoute, moi je trouve que c'est pas mal comme résumé sans... enfin, de ce que tu as ressenti sans spoiler. Bah, donc j'étais sur le premier livre. Autant sur le deuxième, j'ai beaucoup aimé, sans mettre non plus les petits cœurs comme Schrödi. Effectivement, c'était plus facile à la lecture et c'était un style que je connaissais de Jaworski et que j'appréciais de Jaworski. Donc j'ai été très contente de retrouver ça. Comme tu le dis, on revit les événements, mais on en voit d'autres. J'avais tellement envie en même temps de reprendre le tome 1 et de le refeuilleter, sauf que comme le tome 1 il est sur ma liseuse, c'était pas très facile. Donc en lisant ce tome 2, j'avais envie de reprendre le tome 1 pour voir les Moi choses aussi. que j'avais loupées à la première Pareil. lecture. Sous ce regard, sachant que au final, quand on y réfléchit, ça concerne que quelques chapitres, hein, puisqu'on a, en fait, on va avoir le avant, on va avoir le pendant qui est 2-3 chapitres, enfin pendant du tome 1, 2-3 chapitres, et après on a tout le après. Donc c'est, je trouve, un tour de maître de te donner envie de relire le tome 1. Sachant que le tome 2 reprend les événements du tome 1. Tu Mmh, je suis pourrais dire, bah d'accord. non, tant pis, c'est bon, je T'as l'ai eu des limite t'as deux envie d'avoir façons, les. allez-y. T'as limite t'as envie d'avoir les deux livres en vis-à-vis Ouais. pour comparer les points de Tu sais, un peu comme une lecture bilingue français-anglais où t'as les deux vue. sur la Oui, même une page. littérature comparée. C'est ça. Seule chose que je mets un petit peu en demi-tonde sur ce tome et pourquoi il n'y a pas le smiley love. Mais ça c'est moi, hein. J'ai eu un peu de mal avec certaines descriptions, soit architecturales, soit marines, on va dire. Les fleuves, les rivières, tout ça, ça Les fleuves, te... les rivières, les galères, ce qui se passe sur les bateaux, c'est comme dans Les Salauds Gentilshommes, le tome 2, c'est sur la mer. Bah, j'adore le tome 2, mais j'ai beaucoup de mal à cause de ce vocabulaire maritime. Bon, Oui, pense bah. à tous ces points que tu pourrais gagner au Scrabble. Non, je déteste ce jeu de société. Tu avais déjà dit ça lors du live numéro Merci. 1. Il faut que je renouvelle mes blagues. C'est clair. Je le sais, j'ai réécouté. C'est un des premiers trucs que tu dis. En tout cas, note pour nous-mêmes de ne pas essayer d'y jouer avec Jaworski, du coup. Non, on est foutu. Impossible de gagner. On Ça, est c'est foutu. clair. On est perdant direct. Bah oui. Ça et un autre élément, mais dont je vous parlerai plus dans la partie spoil, sur un procédé scénaristique qui m'a déplu. Mais ça, je peux pas le dire. Je pense que vous deux, vous vous doutez peut-être de quoi On en a parlé, on non? en a parlé. On a parlé tous les trois. Donc peut-être que vous vous en doutez, mais voilà, ça sera dans la partie spoil. Et toi, Willa, du coup, pour ce tome 2? Eh bien, moi, je partage vos points de vue. J'ai beaucoup aimé. Pareil, sans petit cœur, mais je pense que ça, c'est toujours pareil. C'est parce que j'ai commencé par gagner la guerre et que c'est un peu ma jauge absolue et que du coup, je peux pas m'empêcher de comparer. Mais j'ai beaucoup aimé.
Pareil, moi aussi, ça m'a donné envie de reprendre le 1 et de comparer les deux. Je trouve que le fait de reprendre la même intrigue d'un point de vue différent, c'est casse-gueule quand c'est pas bien fait. Et là, c'est extrêmement bien fait, donc ça en a rendu les choses que plus intéressantes, même si c'est peut-être. C'est quand même une grosse partie du roman. L'intrigue déjà explicitée. Mais l'intérêt, c'est que comme il y avait deux factions, ben là, ça permet aussi d'avoir le point de vue non seulement d'un autre personnage, mais d'une autre faction. Et le fait que le personnage narrateur soit extérieur totalement à ce monde de la chevalerie sur plusieurs plans et soit carrément aux antipodes de cet univers guindé, codifié, tout pétri d'honneur, etc. C'était vraiment intéressant et rafraîchissant d'avoir ce point de vue-là. Et je trouve que ça rejoignit même certaines choses qu'on avait dites lors du premier live, à savoir que ben, sous cet extérieur très poli, très joli, de code de l'honneur, de chevalerie, de courtoisie, c'était quand même un petit peu pourri en dessous. Et qui de mieux que ce personnage narrateur pour mettre en exergue ce côté-là et démystifier tout ça? Donc ça, c'était assez savoureux. Surtout au regard de la discussion qu'on avait eue sur cet univers chevaleresque, d'en trouver l'écho dans ce tome 2. Est-ce que vous voulez dire d'autres choses sans spoil sur ce tome 2? Non? C'est tout bon? Non. Moi. Dans le chat, on me dit. Donc il y a Un troisième l'eau. style d'écriture. Ouais. L'eau nous dit je suis à la moitié du tome 3, deux écritures complètement différentes, c'est génial. Emile Wesh qui dit on a même un troisième style d'écriture avec les passages du Bel Églantier. Oui, tout à fait. C'est vrai. Pour ceux qui n'auraient lu ni le tome 1 ni le tome 2, Le Bel Églantier, pardon, est un roman en fait qui met en avant les aventures du Bel Églantier. Et c'est vrai que c'est. Bon, voilà, il y a quelques petits passages qui sont mis comme ça dans les trois livres. Si je dis pas de bêtises, c'est écrit en rime. Hein. Enfin, c'est comme une poésie au final. C'est de la poésie, ouais. Ouais, c'est ça. Un peu le best-seller de l'époque, C'est ça. j'avoue avoir été Romaël. peu sensible à. Je suis pas Oui, je très crois que poésie. moment Alors, confession. moi j'y étais quand même un peu. Je suis pas poésie, mais j'y étais sensible pour d'autres éléments. Ne pas C'était plus court. sous-estimer. Hein? C'était plus court que les autres Non, chapitres. c'est pas pour ça. Même si oui, ça a compté. Ça Pardon. faisait une petite parenthèse bienvenue, c'est vrai, des fois, d'avoir ces petites choses. Non, c'est. Faut pas les. Comment dire? Dans une autre saga dont on a fait un Twitch, La dernière geste de Morgan of Glencoe, Ah oui. il y a beaucoup de chants dedans. Et l'un des reproches que j'avais fait, c'est que les chants n'avaient aucun impact en fait sur l'histoire. Le Bel Églantier, c'est pas le cas. Le Bel Églantier, à divers égards, a une importance dans l'histoire. Voilà. Donc Oui, je. tout à fait. C'est pas. Pour le coup, c'est pas comme les. En début de chapitre, on a des petites. Des citations, en fait, de romans, de personnes. Bon, ça, j'avoue, je les ai pas toujours compris, donc je les ai des fois zappés. Vous Je avez les trouve. yeux français, vous serez comblés. Ouais. Il y a sûrement un sens, hein, ça a sûrement un écho avec le chapitre, mais non, c'était pas Oui, c'est possible. sûr. Et puis. Connaissant, genre, ouais, le connaissant, c'est rien n'est fait au hasard. Oui, mais les chapitres sont des fois si longs que tu oublies ce qui a été dit au début du chapitre. toute façon, si tu n'avais pas, quand on ne le comprend pas, ce n'est Ouais, pas grave en plus, de ça l'avoir n'aide pas. oublié. Mais voilà, le Bel Églantier, pour moi, c'est pas ça. Melly Wesh nous dit, le Bel Églantier, il est écrit en octosyllabes comme les chansons de geste ou les. Bah, merci pour l'info. Et je sais pas vous, des fois j'ai l'impression que ce qu'on croise, croise des beaux parleurs, trois beaux parleurs dans cette trilogie, vous n'avez pas l'impression des fois vous aussi qu'ils parlent en vers? Un petit peu par moment, j'ai eu l'impression, oui. Des fois, Ah pour moi, quand ils parlent, ils chantent. Je trouve ça tellement bien fait par rapport au personnage. mais je crois que ça fait partie d'un des trucs des elfes. Oui, Oh, j'ai on nous fait le dit exprès de dans pas le dire chat. que c'était des elfes. Milly Non, Wesh, mais notre consultante. dans la nouvelle
va la faire parler des elfes en vert. La troisième hypostase, il parle de ça et que justement la magicienne qu'on découvre dans la nouvelle n'arrive pas à le faire, alors que eux arrivent à, mais je sais plus quel est le verbe dans leur manière de parler. En fait, ça m'a rappelé Et un c'est un peu la épisode de différence entre Camelot. l'humaine et... Ouais, l'humaine et les elfes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, à chaque fois, je pensais à un épisode de Camelot, en fait, où ils parlent tous en alexandrin parce que Ah oui. c'est l'anniversaire d'Alexandre le Grand ou je sais pas trop quoi. Ça me fait tellement rire. Je visualisais ça en lisant les livres, en fait. Shrodi, on nous demande, Meliwe, je demande si c'est scandé le verbe que tu cherches. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ça doit être ça, oui. On me dit via un autre canal, faut surtout dire que Jaworski est virtuose de la mise en scène de ses récits, d'où l'importance des nouvelles aussi pour comprendre le chevalier aux épines. L'histoire du vieux royaume, c'est un vrai Tolkien-like. C'est vrai. Mais oui, tout est complémentaire. Parce Oui. que le bel Eglantive, les nouvelles, c'est le multiverse. Mais encore Tout. une fois, c'est pas gênant de commencer Non. par le chevalier aux épines. C'est juste qu'on va. On va manquer d'indices et on va juste avoir envie de dévorer toutes ses œuvres et ensuite de relire Le Chevalier aux épines. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Non, j'ai regardé, c'est la cadence. Je ne maîtrise même pas la cadence. À l'oreille, tous ceux de votre peuple savent que je suis humaine dès que je prends la parole. La La cadence. cadence. Ok. Bon. C'était une petite digression avant de parler de ce tome 3. Moi, je C'est tellement ne. riche que... Oui, c'est ça, il y a beaucoup de choses à dire. Le tome 3, c'est pareil, je l'ai bien aimé, sans que ça soit le coup de cœur. Je l'ai bien aimé. On retourne dans le côté chevaleresque, cette fois-ci. J'ai trouvé ça moins dur que la lecture du premier tome. Est-ce que c'est parce que je me suis habituée au style d'écriture ou est-ce que... Enfin, je sais pas pour vous, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de le lire. Alors c'est long, hein. J'ai l'impression de mettre une plombe à lire chaque chapitre qui sont très longs, hein. Tu peux pas dire, ok, je finis ce chapitre et je vais me coucher. Non, oublie, regarde combien de pages il te reste avant, parce que ça va te prendre une plombe. Mais ça m'a paru tellement moins difficile. Pas vous? Moi aussi, j'ai moins piétiné qu'à la lecture du 1. Après, est-ce que c'était aussi le fait d'avoir un regain d'énergie avec le tome 2 et le fait aussi de pouvoir en parler ensemble et d'avoir déjà Oui. décortiqué le 1? Je pense qu'on n'a pas du tout lu dans les mêmes conditions non plus, donc C'est clair. ça devait jouer. Je Parce pense que qu'on sinon, c'était maîtrisait séance plus quand même. non. Hein. Ouais, on On maîtrisait plus les connaissait les codes aussi. personnages, on connaît quand même l'intrigue, enfin, on est dedans. Je pense que ça aide. Et puis quand même le tome 3 se perd un peu moins. Enfin, le tome 1 avait quand même une construction assez originale où l'histoire prend des détours. En fait, il y avait plein de points de vue différents. Enfin, les chapitres, enfin non, c'était des points de vue un peu différents. Enfin, on avait quand même un chat, on avait un narrateur mystérieux, on avait... on suivait un moment Ivorin, enfin bon, il se passait plein de trucs. Le tome 3 est quand même plus linéaire. Bon, il y a un flashback au début, enfin un récit qui est fait au chapitre 4, mais à part ça, c'est quand même plus linéaire. Il y a moins de détours, j'ai trouvé dans C'est le. vrai, c'est plus resserré en termes d'intrigue aussi. J'ai trouvé que c'était un peu un jeu de piste. C'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans le tome 3. Effectivement, comme on connaissait en plus certains personnages qu'on pensait, j'avais le tome 2 vraiment bien en tête. J'ai vu tellement d'indices et je ne sais pas si je les aurais vus si mes lectures avaient été pas autant rapprochées. C'est ça aussi qui est très chouette, c'est que les trois livres ont été sortis de façon assez régulière et rapide. Il n'y a pas eu à attendre 1 an, 2 ans ou 3 ans entre chaque tome et tant mieux. Et effectivement, enfin, ce que vraiment j'ai aimé suivre, c'est ce petit jeu de pistes et faire des hypothèses et voir que certaines étaient bonnes, d'autres fausses. J'avais commencé à faire certaines hypothèses, on en parlait tous les trois dès le tome 2. Et puis je reprends le tome 1, je regarde ce passage-là. Oui, ça me confirme dans mon idée que c'est peut-être ça. Et je l'ai
pas eu autant avec le tome, bah avec le tome 1, c'était impossible pour moi d'avoir ça. De toute façon, on ne pouvait On pas. n'y était pas. Hein. C'était. Il Il n'y aurait a fallu que qu'on se toi, je dise crois, qui. avant. Non, enfin, je les avais parce que j'étais allé sur Elbakin.net sur leur forum et j'avais lu toutes leurs théories et j'étais totalement à la ramasse. Hein. Il y a plein de trucs qu'ils ont écrit. Franchement, j'y étais pas du tout. Et puis on se t'es pas rendu compte à quel point il aurait été judicieux de lire les choses avant. Enfin, Non, c'était pas judicieux. Après, préparé. ça, c'est une découverte aussi. Faut bien commencer par une des œuvres de toute façon. Oui. Ça se lit tout seul et après, on Suis mon trouve ou propre pas. Mirabilis. T'as dit quoi? Le prof. Que j'ai Oui, mon c'était. propre Mirabilis étant le chat, Ah moi j'ai oui. mon propre Mirabilis aussi. Ouais, que Le tu disais qu'on pouvait stylet. lire comme Mirabilis, c'est-à-dire dans le sens où on voulait revenir en arrière, passer à l'autre œuvre. Ça dépend si il se touche l'oreille ou pas. Ouais, ça lui arrive, il aime bien en plus qu'on lui touche les oreilles, On va donc. revenir au début du là, au début du Twitch. Vers la fin, après 3 heures, il va se toucher les oreilles. Ouais. Donc oui, on est d'accord avec toi, plus simple le tome 3. Toi, Willa, ce tome 3, parce que j'ai donné mon avis, j'ai bien aimé ton petit cœur. Toi, je connais ton avis, mais le public ne le connaît pas forcément. Est-ce que je change ton smiley? Non, c'est le même C'est smiley. le même. Même si pour moi, ils sont très différents finalement, le 2 et le 3, en termes de style forcément. Oui, moi j'ai bien aimé aussi. Après, pour le coup, peut-être qu'il aurait mérité que je n'enchaîne pas les deux aussi rapidement. Ah ouais, tu Faut penses? juste. Ouais, peut-être un petit peu de distance pour pas être trop influencé peut-être par le tome d'avant, mais bon, comme en même temps avec ma mémoire nulle, j'aurais oublié la moitié des choses, ça aurait peut-être été moins intéressant aussi. Mais oui, et puis en même temps, moi j'ai un petit côté de. Alors la satisfaction de mieux apprécier effectivement en ayant plus de connaissances et en ayant l'occasion d'échanger, enfin, c'est un des trucs chouettes avec les manuscrits de Maître Raymond, de toute façon c'est de pouvoir partager le processus de lecture et je pense qu'effectivement on l'a jamais autant fait que pour ce titre-là. Et voilà, mais après aussi des petites frustrations de mon côté que voilà, l'impression de. Des choses que j'aurais voulu voir se dénouer qui se sont pas dénouées ou voilà mais après effectivement c'est toujours très riche avec des indices des références voilà donc ça reste positif et effectivement j'ai beaucoup plus apprécié que ma lecture du tome 1 pour toutes les raisons qu'on a évoquées en fait. Et toi, je redis, je change ton smiley ou pas? Non, toujours le même. J'ai un peu hésité entre celui-là et le sourire, Comme nous. le petit sourire, mais bon, j'étais dans ma lancée. Et ben, j'ai beaucoup aimé, globalement, hein, vous l'aurez peut-être compris, ma lecture de la trilogie, c'était vraiment chouette. Surtout que je fais quand même pas ça souvent d'enchaîner comme ça. Bon, j'ai pas enchaîné, j'ai mis des petits livres entre, mais. Bien, je trouve. Je pense que c'est bien. De manière resserrée comme ça, une trilogie, bah faut le faire et ça m'a vraiment pas. Enfin, j'ai vraiment aimé le faire. C'était cool. Il y a effectivement des petits trucs sur. On pouvait s'attendre à certaines choses. On aurait voulu que certaines choses se dénouent et c'est pas trop là. Mais en même temps, j'ai bien aimé ce qui a été présenté. Je pense qu'il y a quand même. Il y avait pas mal d'ouvertures sur enfin des indices, des théories, tout ça, qui trouvent leur réponse dans ce tome 3. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont avérés et confirmés, où l'auteur ne s'amuse pas trop à ouvrir plein de pistes et finalement nous Auteur. laisser en rond, où pendant des années on va faire. Bon, on dirait que je tacle Jean-Gérard Martin, que pendant des années après on va faire des théories sur Internet sans jamais Sur un avoir la réponse. forum. Ouais, c'est ça. Non, mais ça c'était cool et on peut, enfin, on sait normalement qu'il y aura d'autres suites, d'autres tomes, d'autres livres. Pas d'autres tomes de cette trilogie, mais d'autres livres dans ce vieux royaume. Donc, je pense que tout viendra à point. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais bref. Moi aussi, c'est tout viendra à Au point, tout moment, s'est attendre.
Voilà, C'est un petit, exactement. c'est le petit bout d'une grande tapisserie, quoi. Oui, c'est Ouais. ça. C'est pas maintenant qu'on aura le fin mot de toutes les intrigues politiques, tout ça. Et c'est pas grave parce que en fait, j'adore quand même cet univers et c'est assez passionnant. Et ça m'a donné envie de relire les nouvelles et pour le coup, j'ai pas relu les recueils de nouvelles. J'avais lu Gagner la guerre cet été, j'ai relu le tome 1 et ensuite tome 2 et 3, mais j'ai pas relu les recueils de nouvelles. Et bah, il faut que je le fasse. Ce qui me fait penser qu'on n'a pas parlé de la campagne Ulule. Non, pourtant, regarde, je me suis dit, mais comment je vais faire pour présenter les trois tomes en images sur, sur le live? Et ben voilà, tout simplement, C'est l'intégrale. l'occasion. Oui, si vous voulez, bah, en fait, y a Jeannot Véra, Le Sentiment du Fer et Gagner la guerre qui font l'objet d'une campagne Ulule par les moutons électriques, des versions illustrées. Voilà, là, t'as mis Le le lien lien. dans le chat. Parfait, merci. Personnellement, je les ai pris. T'as Je pris les quoi trouve exactement? magnifiques. J'ai pris les livres dédicacés par Jean-Philippe Jaworski et Les c'est trois? illustré par Inès Kerr-Mezoud qui a fait de magnifiques illustrations pour Gagner la guerre et pour les recueils de nouvelles. Ce sera un collectif. Donc, si vous voulez relire Gagner la guerre et les recueils de nouvelles, vous pouvez possiblement, éventuellement passer par là, sachant que c'est pas pour tout de suite, hein, c'est une campagne de financement et c'est pour novembre 2024. Et il y a aussi, ils ont rajouté ensuite l'intégrale du Chevalier aux épines sous forme d'un gros tome, là, celui sur vos écrans. Celui-là, je l'ai pas pris. J'ai quand même C'est là les trois tomes ouais. avec Celui-là, c'est moi. pour 2020, c'est pour 2025 apparemment en Oui, plus, le c'est dans Chevalier encore aux plus épines. longtemps. C'est pas grave, on peut attendre. Moi je sais que c'est sur celui-là à minima que je vais craquer. Ah oui. Et la campagne est jusqu'à samedi, je crois, les prolongations, Ça c'est a été prolongé, ouais. Et après, jusqu'à si j'ai bien ça. compris ce que tu nous disais, je redis, pardon, ils seront trouvables en librairie, a priori. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais pas forcément tout. Je sais plus si l'intégrale du Chevalier aux épines le sera. D'accord. Gagner la guerre et Jeannot Véra suivi du sentiment du fer, oui, je crois. Le reste, je sais pas. Et en En tout fait, cas, t'as donné envie. pour les campagnes de financement, souvent il y a des bonus. Et souvent, quand ça sort dans le commerce, après, il n'y a Il n'y pas a pas les forcément ces bonus. bonus-là. Donc voilà. En tout cas, le jour 1 de la campagne, j'ai participé parce que je trouvais ça trop chouette. Et l'idée de. Enfin, l'univers est tellement vaste et intéressant et truc que l'idée d'avoir des illustrations, bah, j'ai trop hâte en fait. J'aime beaucoup. Cette idée de pouvoir me voir les choses. Avec une carte. Une carte. Qu'est-ce Et que puis les ça, personnages, quoi. puis d'avoir des belles versions de titres d'un univers littéraire aussi riche, ça fait envie d'avoir une belle collection comme ça dans sa bibliothèque. Et C'est moi, du coup, clair. j'ai lu les nouvelles. Enfin, j'ai lu les nouvelles. J'ai lu quelques nouvelles alors que j'avais le livre en version poche dans mes étagères depuis fort longtemps. La technique de l'écureuil. J'ai adoré. J'ai lu des nouvelles de Jeannot Véra. Tellement bon. De toute façon, ça c'est valable pour tous ces titres, hein, mais tellement bien écrit. Tellement bien écrit. Et en fait, c'est un peu ce que tu disais au moment sur le tome 3 aussi. Je redis, même si tout n'est pas dénoué, c'est pas grave, parce que déjà, c'est que le pan de quelque chose de beaucoup plus large. Et puis la balade est tellement agréable en fait. Une capacité à créer cet univers, à nous plonger dans l'ambiance. Et l'écriture est d'une telle qualité que. En fait, c'est voilà, c'est juste un beau moment de lecture et c'est juste appréciable en soi, voilà, que l'intrigue aboutisse ou pas et ou qu'on voit aborder ce qu'on pensait voir aborder ou pas. Oui, je suis d'accord, mais en plus, là, les nouvelles, elles abordent toutes des univers très différents. À chaque fois, ça se passe à des époques différentes, dans des régions différentes. C'est super intéressant. À chaque fois, on Absolument. apprend plein de choses. Très Puis il y a plein de immersif. subtilités, des personnages qu'on peut retrouver ailleurs.
Vous me donnez presque envie de lire d'habitude, j'aime pas trop le format nouvelle. Moi Moi bah j'aime non bien le plus. format nouvelle. Ah. Mais Ah. franchement là, ça s'y prête bien. Enfin là, c'est chouette. Ok. Je préfère les romans, mais ces romans, mais ces recueils sont très bons. Je serai Crois que je raisonnable, je ferai ça après le Twitch sur te. Cœur de Dragon. Oui. Ah oui. Mais déjà, Mais le j'étais. service. Pardon, vas-y. Pardon, Amanda. Le service des dames, si t'as l'occasion. Dis-le, par contre. On est encore le chevalier aux épines un peu. Alors, faut pas le dire à notre présidente qui n'aime pas cette nouvelle. Mais on en a un peu parlé avec Schrödi du coup, parce que moi je l'ai lu pendant ma lecture du chevalier aux épines et voilà, ça vaut le coup, je pense, de la lire en ayant en tête Ouais, elle est chouette. Elle les explique des événements trucs. du. Ok, en combien de temps on peut la lire? Oh, Oh, ça se lit bien. Hein. Franchement. Non, mais je me méfie, surtout avec Schrödi. En combien de temps on peut la lire? C'est Je sais pas 40 combien de pages, temps j'ai mis à peut-être? la lire. Donc 1 minute pour Schrödi. C'est fini. C'était bien. Elle Non, fait, non, un peu non. plus 50 pages, 60. Elle fait 50 pages. On verra. On verra. Il n'y a pas de longueur en plus. Enfin, moi, je crois qu'il n'y a pas de Bah longueur dans non, c'est cette une nouvelle. nouvelle, donc pour le coup, les descriptions de rivières et tout, ça va, ça se perd pas trop. Ouais. On verra. Je vais peut-être commencer quand même commencer et finir Cœur de Dragon après. C'est Oui, la alors moi aussi, priorité. déjà que j'ai oublié les 4 tomes précédents. Je serai là pour t'aider. T'as le temps, c'est dans moins d'un mois, tu peux relire les 4 Ah non, tomes, puis le cinquième, je non? relis pas tout. Non, j'aurai pas le temps de tout lire. Mais Non, je je redis, rigole. nous n'avons pas la même. Non, mais je me moque, j'ai toujours pas commencé le tome 1 de Cœur de Dragon. Et il m'attend dans ma bibliothèque, mais j'ai toujours pas osé. Redis, c'est le Mirabilis de la lecture. En fait, il remonte à chaque fois. C'est ça mon secret. C'était donc ça. Ça me fait penser, on part dans tous les sens, mais dans Janua Vera, je me suis rendu compte que dans la version de poche Folio, il manque deux nouvelles qui sont. J'ai pas bien compris si elles sont ressorties après, ou en tout cas dans une première édition des Moutons électriques, elles y étaient, donc je suis dégoûté. C'est Montéphélone et Comment Blandin fut perdu. Donc j'espère que les deux nouvelles seront dans la version illustrée, parce que du coup je les ai toujours pas lues. Très bien quand même. Et je ne peux pas décemment dire que j'ai tout lu de Jaworski, ce qui est un peu Il faut. dommage. Et en revenant Voilà, à nos petite moutons, info. sans jeu Oui, de mots, sans jeu de mots aucun, on était sur le tome 3, on était sur on le a tome dit que c'était 3 que tu pour. avais dit avoir apprécié. Nos Ouais. impressions générales. Et Ouais. du coup, impression générale de la saga, je pense que. Enfin, moi, je reste sur mon petit smiley, je suis très contente et en fait, j'ai envie de la relire. Et c'est quand même un bel exploit. Ça vaudrait presque un cœur parce que je pense pas que tous les livres ou toutes les sagas se prêtent à une relecture qui, à mon avis, soit aussi intéressante. Il y a des relectures doudou. Moi, les Harry Potter, par exemple, c'est ma relecture doudou. Alors oui, à certaines relectures, j'ai redécouvert certains trucs. Mais c'est, je pense, pas pareil. Et là, ça ne sera pas une relecture doudou, ça sera vraiment la relecture pour dévoiler un autre pan de la saga. Et ça, c'est fort, je trouve. C'est pas sans rappeler l'homme qui fait qu'on est réunis, qu'on est Bah oui, réunis quand tous même, hein. ensemble. C'est quand Je même suis assez d'accord. Martin. Ouais, c'est un peu comme le père Martin. Hein. Ce côté de c'est tellement riche que déjà en creusant, t'apprécies encore plus l'œuvre. Parce que des fois. Enfin, ça m'est pas arrivé sur d'autres Twitch et c'est rare qu'on apprécie davantage l'œuvre après l'avoir décortiquée. Enfin, en tout cas, moi, ça me l'avait pas fait sur mes autres lectures des Twitch. Et voilà, et tu te dis, ah oui, mais il faudrait que je relise ça et je vais redécouvrir des choses en relisant et tu tires un fil et en fait, t'as plein d'autres fils qui apparaissent. Voilà, plus un certain traitement des personnages parfois. Ou des intrigues, mais il y a quand même des, je trouve qu'il y a quand même des similitudes, voilà, sans que ce soit évidemment un copie, c'est évidemment pas du tout copie conforme, mais disons que si on aime des choses chez Martine, on peut aimer les mêmes choses, enfin on peut Puis il y a des retrouver des trucs. choses qui, voilà, qu'on aime. Je suis d'accord. Bon, en plus, dans le tome 3, on en parlera après. Il y a quand même un truc.
J'ai grave pensé au trône de fer. Enfin bon, bref, on en parle après. Est-ce que tu vois le chat? Je redis, on a une question de Milwesh. Comment Blandin fut perdu? Et d'une certaine manière, l'équivalent pictural de ce qui se passe dans Le Chevalier aux épines avec les différentes œuvres littéraires et les mises en abîme, non. Mais le problème, c'est que du coup, on a tous les deux la version où on n'a pas celle-là. Donc on ne la connaît pas, on ne l'a pas encore lue. C'est très intéressant ce que tu dis, mais. Du coup, on On le pourra. note, Ouais. on reviendra On dessus reviendra dessus dans notre à la super prochaine channel. sortie de... Ce qui Ouais. va être compliqué, c'est que pour les prochains livres de Jaworski, s'il faut relire, Oh non. gagner, il faut... Ah ça y est, tu fais des cauchemars d'avance, tu Non, je voudras fais plus pas faire de les... cauchemar, mais je pense à un autre truc dont Tu on vas a plus parlé. faire Il y a des... un wiki qui est en construction, c'est ça? Oui. Ça, il n'y aura pas forcément besoin de relire toutes les œuvres pour pouvoir lire les suivantes. Et puis nous, on a quand même créé un magnifique Google Doc. Ben oui. Une page. Il Mais moi, faut que j'ai je envie de le partage. compléter maintenant. On a envie de le compléter maintenant, le Google Doc. Donc on est obligé de lire. Enfin, je disais ça la dernière fois, je pense que je passe 10 minutes du Switch à dire oui, je vais relire Gagner la guerre, je vais dire. Voilà, hein, donc. Ah, mais je pense à quelque chose par contre qui était très appréciable dans les différents tomes. Dans le premier tome, on a un genre de petit résumé en fait, de, enfin une mise en contexte pour ceux qui n'ont pas lu. Alors, la nouvelle, vous m'avez dit, c'est Nanana des Dames. Le Le service service des des Dames. Le dames. service des Dames. Donc, bah, c'est une bonne mise en contexte. Tome 2, on a le résumé un peu du tome 1. Et tome 3, bah, on a un peu le résumé tome 1 et 2. Et franchement, c'est rare d'avoir ça. Et la saga étant enfin, suffisamment complexe, c'était très appréciable. Alors, ça n'a pas le sel des résumés faits par Schrödi dans ce petit Google Doc partagé. Néanmoins, Non, c'est c'est très gentil. utile. J'en ai fait qu'un, c'est Vous. Willa qui a fait le deuxième. Est-ce qu'on pourrait avoir le Google Doc, s'il vous plaît? Pas sûr, le Google Doc, je pense pas qu'on va le partager. C'est vraiment juste une liste de personnages. Mais on va voir Non, pour mais le je cramais fournir en à ceux disant en qui parlant du travaillent Google sur... Doc. Hein. C'était surtout pour nous. Par contre, on va peut-être Non, pouvoir mais on le filera les fournir à ceux infos. qui bossent Hein. sur le wiki, pour que ça alimente. Je vais leur demander s'ils sont intéressés. Après, peut-être ça leur servira pas parce que vraiment, nous, on a juste littéralement mis des noms. On est des noobs. Mais. Donc voilà, ça peut, si vous espacez vos lectures ou si vous avez des mémoires de poisson rouge, c'était très appréciable ces résumés en début de tome. Oui, Et C'est clair. d'ailleurs, Surtout qu'ils sont vraiment... ils sont bien. Ouais, Oui. ils sont riches. D'ailleurs, s'il peut faire pareil pour Cœur de Dragon. Il n'y a pas non plus de wiki, Cœur de Dragon, c'est ça? Il en faudrait un. Non, mais moi Vraiment. j'étais partie. Je voulais en créer un, lol. Après, t'as le glossaire, mais le problème, c'est que à chaque fin de tome, tu as un glossaire et tu as d'autres annexes. Le problème, c'est que c'est spoilant du tome qui est en cours. Un peu relou. Oui. Donc, bon. Enfin, c'était la petite digression, encore une fois. Tout à fait. Du coup, j'ai Est-ce qu'on perdu le spoil? fil. Ouais. Moi, je Bon. sais plus, on parlait de la La saga, on saga, dit. comme quoi on l'avait appréciée, hein, de toute façon, Oui. on reste globalement chacun sur nos smileys, toi le cœur et Willa et moi le petit smiley sourire, quoi. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire en sans spoil? Non, il n'y a pas un moment où on se pose des questions. C'est dans la partie spoil quel personnage on a préféré, le moment qu'on a préféré, le moment qu'on a le moins aimé, le portrait chinois. Ouais, vaut mieux, je Non, pense, parce que tu vois, par exemple, si on doit parler dans le. Enfin, du tome 2 de notre perso préféré, déjà on révèle forcément peut-être le narrateur. Donc pas faux. ceux qui n'ont pas fini le tome 1, faut qu'ils se cassent. Ouais, on pourra répondre à ces questions quand on spoil, non? Ouais, je pense. Du coup, ultime bafouille, avant qu'on spoil. Enfin, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres petites choses à dire? Moi, sur la partie sans spoil, non. Si des gens ont des questions. Avant de partir, parce que vous Est-ce n'avez que pas vous fini avez le des questions? livre, c'est le moment. On a quand même tenu 1 heure sur une trilogie sans spoil. Oh là là, non mais... Franchement, moi je trouve ça beau.
Mais déjà, on a la limite de repartir dans notre lecture et à prendre des notes parce qu'on n'arrête pas de regarder. Je vous laisse. Je pars lire. Non, mais j'ai un On a tous document les de... livres, tu sais, on a gagné la guerre, on a Janua Vera, on a la tablette avec Ah ouais. avec l'e-book, mais moi aussi. Moi, je les ai préparés littéralement. Mais j'ai un bloc-notes avec toutes mes notes de OK, dans tel tome, tu dois Non, mais moi, je chercher suis ça, il y ça. a ça, Ah, il y mais a c'est bien ça. ça. Waouh! Oh, J'ai craqué complètement, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Ah oui! Le pire, c'est Ah, mais c'est que tous ces beau. grands projets risquent de rester lettre morte, mais. C'est pas grave, là. L'important, c'est d'y avoir pensé. C'est Bon, l'intention allez. qui compte. C'est Allez, on spoil? ça. On spoil, mais on spoil le tome 2 d'abord, c'est Je ça? pense le tome Oui. 2. Donc, tous ceux qui n'ont pas lu le tome 1 et le tome 2 et qui ne voulaient pas être spoilés, bah, on espère que vous avez passé un bon moment et bah, Oui, n'hésitez et pas à qu'on vous a revenir donné voir le envie. replay. Ouais. Allez, toi, Shrody, qui voulais tant spoiler, vas-y, lance-toi. On spoil. Donc alors. On spoil le tome 2. Ok. Bon, donc à la fin du tome 1. En fait, on avait déjà aperçu dans le tome 1, on pensait avoir aperçu ce cher Benvenuto. Donc le héros pour ceux enfin non si vous en êtes là vous savez qui c'est le héros de enfin le héros le anti-héros le salaud qui sert de narrateur a gagné la guerre. Bref, à la fin du tome 1 cet assassin débarque dans Chevalierland et poignarde le narrateur qu'on suivait jusque-là, Aidan de Vaumacel. Là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Parce qu'il n'avait pas trop de rapport avec l'histoire. Et donc, le tome 2 bah, vient nous montrer sa perspective, son point de vue, pour nous expliquer comment il est arrivé là. Et c'était quoi le... Fallait que je raconte quoi? Que je spoil? Bah, si t'avais envie de spoiler, je vais Donc, juste bref, faire une donc en fait... petite. Pardon. Ah, vas-y. Non, Juste vas-y, une toute vas-y. petite aparté. Je ne sais pas si parmi. Parce que c'était pas le sujet du livre, il y en a peut-être qui découvrent Jaworski via le Chevalier aux épines. Enfin, on parle du tome 2, bien sûr, mais on va peut-être pas spoiler Gagner la guerre, si ça vous Oui, va. ou alors quand on s'apprête à dire quelque chose, on peut faire un petit signe comme ça. Oui, on pourra faire Et on ça. refait le petit signe quand on a dit des Alors. choses sur gagner la guerre, si vous En voulez. Donc espérant, regardez bien nos doux on fera un visages. signe Waouh. enfin, oral et visuel parce qu'il y a peut-être des gens plus tard qui nous écouteront sans nous regarder. Ah oui, il Ok. faudra bien. Je propose focaccia. Oui, très bien, focaccia. C'est très Voilà. bien, focaccia. Mais voilà, c'est juste le. Parce que je pense que si tu n'as pas Oui, lu oui, oui. Gagner la guerre, il y a peut-être des choses que. Voilà, tu comprends pas en lisant. Enfin, Oui. tu passes à côté en lisant le tome 2 Mais et bref. Ce encore une serait fois, si on dommage. n'a pas lu gagner la guerre, je pense qu'on peut quand même Oui. lire le tome 2 et apprécier le tome 2. Ah oui, clairement. Ou Clairement. apprécier, détester le narrateur du tome 2. Donc vas-y, excuse-moi, je redis, je t'ai coupé, mais je voulais Non, éviter tout il n'y a pas de impair. souci. Tout à fait. Donc, le tome 2, on a qui s'appelle Le Compte de l'Assassin. Et on suit donc le point de vue de Benvenuto depuis la mission dont l'a chargé Léonide Ducator, le podestat Ciudala. de Ciudala, de cette mission jusqu'à bah, l'assassinat ou du chevalier à la fin du tome 1. Donc on suit tout son point de vue. Et donc, bah, tout ce qu'on disait, c'est qu'en fait, avec le tome 2, on revient sur un terrain inconnu, qui est... Enfin, un terrain inconnu. Ça se passe toujours sur le duché de Bromel, mais en fait, on a le point de vue et le langage de Benvenuto, qui s'exprime dans un langage bien différent de celui de Chevalierland. Et on revient un peu à ce qu'on connaît, quoi, et c'est assez savoureux. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. En plus... On apprend pas mal de trucs sur la guilde des Oui. chuchoteurs, notamment une scène de focaccia Oui. Ah, qui tu en vas dire fait avoir est un peu mangé. qui est abordée. Enfin, il y a une petite allusion vers le début. Benvenuto en parle et en fait on comprend pas bien ce qui s'est passé, si ce n'est qu'on comprend qu'il s'est passé un truc un peu sale. Et en fait, plus tard, on a l'explication de cette scène et j'ai beaucoup aimé ça. Enfin bon, il y a plein de trucs. On apprend quand même pas mal de choses sur la guilde des chuchoteurs, sur l'univers, et c'est super chouette.
Et on a Soufal, on l'a aussi sous un autre angle. Enfin, moi je l'ai trouvé mais si drôle en parano. Enfin, je sais pas Ah vous. bah il... Oui, on Ah, tire. il prend cher dans ce tome. Il Il prend enchaîne souvent cher. les échecs. Mais oui, Il le est complètement pauvre. parano. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est le décalage entre enfin, les gens qui ont peur de lui, le croisent, ils le regardent parce qu'il a ses dents en or, il a son visage couturé, il a sa réputation d'assassin, donc les gens ont peur de lui, limite ils font des pas de côté quand ils le croisent. Enfin, c'est un peu l'image qu'il rejette. Et quand tu as son point de vue et que tu vois à quel point il est du père, le gars. Qui est, voilà, Complètement. qui subit, en fait, c'est qu'un humain, c'est juste c'est un artisan du meurtre, hein, mais sinon, il a des tribulations tout à fait propres aux basses affaires de l'humanité, quoi. Donc, Ouais, il a le mal de mer. oui, c'est ce que j'allais dire, ça commence déjà comme ça. Enfin, le Mais type, oui, il a le c'est mal de génial. mer, quoi. Mais alors, Focaccia. Même si c'est pas du gros spoil, c'est quand même la deuxième fois parce que dans Gagner la guerre, Oui. ça commence, il est sur un bateau Ça et tout à il en peut fait. plus de vivre. Ça, c'était pour le plaisir, je pense, de le recoller sur un bateau dans la scène d'ouverture, quoi. Pour le faire souffrir un peu. Donc, Et bah, il souffre, faut dire qu'aussi un personnage lui en veut beaucoup. Oui. Je ne sais pas comment est-ce qu'on parle de ça. Je On dit peux focaccia? essayer si tu veux. On parle bien Toujours dans la de... focaccia. Ouais, là, je pense que je vais essayer de le faire sans focaccia au début. D'accord. On voit dans le tome 2 que Clarissima Ducatore, la fille du podestat, lui en veut. Et il a un peu la trouille de reparaître devant elle. Hein. Il est envoyé par le podestat en cadeau un peu d'excuses pour sa fille puisqu'ils sont en froid. Ce qu'on ne sait pas, si on n'a pas lu Gagner la guerre, c'est pourquoi ils sont en froid. Parce qu'il fait des allusions en mode oui, c'est une querelle d'amoureux. Oui, c'était une querelle d'amoureux. Mais là, on peut y aller en mode focaccia. Moi, j'y vais en mode focaccia, je vous préviens. C'est ça qui m'a un peu dérangé dans ce tome 2 aussi. C'est un salaud, en fait. C'est un salaud auquel on parfois s'attache. Enfin, s'attache, on s'entend. Hein. Moi, j'aime beaucoup lire son point de vue. Je trouve que c'est un immonde connard. Mais j'aime lire cet immonde connard. Il n'y a qu'à avoir nos têtes quand on en parle déjà. Benvenuto. Ah. Des Si, petits Sofa. cœurs dans les yeux Non, mais alors que le mec il est immonde. il est immonde, mais je préfère le lire lui que lire Vaumacel en vrai ou que Mais qui Ivorin. est aussi un connard dans son propre Oui, registre. bien C'est juste que lui sûr. c'est un connard Oui. assumé quoi. Eh oui. Oui. Mais voilà, je préfère effectivement ce salopard assumé, sauf qu'il n'est pas assumé, on est toujours dans la focaccia, hein. Il n'est pas assumé et c'est normal quand on est dans sa tête et c'est lui qui raconte l'histoire, il a quand même violé Clarissima dans Gagner la guerre. C'est... Descends de là, toi. Il va nous faire planter le Twitch, désolé. il viole quand même Clarissima. Et il y a dans le tome 2, si on n'a pas lu Gagner la guerre, on n'a pas ça. On a à un moment donné, il dit oui, en même temps, un petit peu, elle l'a cherché, quoi. Alors, elle m'a un peu offert son cul quand même. Hein. Elle regrette, mais elle m'a offert son cul. Et si on n'a pas lu Gagner la guerre, je trouve que on manque le sel, entre guillemets, de ce propos. Ce propos, je trouve, le rend vraiment abject. C'est-à-dire que si on reparle pas de sa querelle avec Clarissima, ou si, enfin, s'il n'y avait pas eu ça dans le tome 2, on aurait juste eu le salaud assassin, un peu voleur, menteur, tout ça. Le fait qu'on reparle de cette scène et de son acte, et le fait que lui le justifie en mode querelle d'amoureux et un peu elle l'a cherché, elle le voulait bien, c'est juste qu'elle regrette. Ça remet l'accent sur c'est vraiment un immonde connard. Et si on n'a pas lu Gagner la guerre, on peut pas le savoir ça. Enfin, ça manquait un peu de mise en contexte. Ouais. Peut-être qu'on aurait pu. Il y a des indices, il y a Clarissima qui dit qu'elle veut pas être seule avec lui, on voit bien qu'elle a un peu peur, mais
Je trouve qu'on il parle des tics nerveux qu'elle a eus, mais on n'a pas vraiment le pourquoi si on Ah, n'a les pas tics, eu c'est gagné pour la autre guerre. chose, je C'est crois. pour Les autre chose, oui. tics, c'est autre Les chose, tics, hein. c'est autre En chose. Ouais, gros, c'est il faut autre lire chose, c'est Gagner vrai. guerre aussi Mais pour ça. qui Un autre le traumatisme, hein. qui revient un peu plus quand elle le voit lui aussi. Ouais. Mais c'est Oui. intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint l'extrait hyper intéressant que Schrödi a partagé dans le Discord sur Jaworski qui expliquait la scène de viol en disant que c'était une nécessité non pas scénaristique mais morale pour lui Oui. cette scène de viol pour que le spectateur justement, ça arrive assez tard en plus d'en gagner la guerre, le spectateur qui justement s'est bien attaché à Ben Veduto, parce que comme le dit Lo dans le chat, et en plus il a un langage truculent, il a su mettre un salaud, enfin voilà, il y a Ouais. ce côté, c'est très cynique, et ce côté, voilà, un peu pas politiquement correct qui est plaisant, et que en fait le viol c'était le truc intolérable qui arrivait, quoi. Que nous, avec notre regard de lecteur d'aujourd'hui, on disait non, là par contre, oui, c'est vraiment un connard, c'est trop, et t'es un peu gêné du coup d'avoir pris parti pour ce mec dans le reste du roman. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, son attitude, enfin ça c'est mon point de vue, mais son attitude dans Le Chevalier aux épines reste dans le prolongement de ce côté salopard par rapport à sa posture vis-à-vis du viol. Et que finalement, si on regarde malheureusement encore de nos jours la réaction des mecs qui sont accusés de viol, c'est Mais un c'est peu ça. les mêmes arguments qui pourraient être utilisés. Donc soit d'amoindrir le truc en disant bah, non, c'est pas un viol, soit de dire bah, en même temps... Elle le voulait bien ou elle l'avait bien cherché. Donc c'est. Et qu'est-ce qu'on en dit dans le chat? Que, en gros, quand le seul moment où il le reconnaissait, il l'avouait, c'était un moment de faiblesse, où il n'était pas en grande forme d'en gagner la guerre, et que là, en fait, bah, il est de retour dans le déni. Oui, mais toi, en tant que spectateur, si t'as pas lu Gagner la guerre, tu comprends pas Oui, vraiment ce non, qu'il mais dénie. je comprends ce que tu dis. Mais enfin, je me pose la question. Enfin, non, c'est pas une question, mais en fait, c'est la limite de l'avoir lui comme narrateur. Oui, mais Et du coup, je est-ce sais pas trop comment est-ce qu'il aurait pu faire ça pour. Bah, peut-être via la voix de Clarissima. Ou alors, justement, ça donne envie de lire les Pour autres le coup, pour c'est vrai comprendre aussi. que. Ça amène à vouloir lire l'autre œuvre. Du coup, c'est ce qui est. Après, Mais t'as. après, elle a pas forcément envie non plus. Non, non, de. Clarissima, l'épouse, on peut le dire, c'est la nouvelle duchesse de Bourmael. sauf que, pardon, je lis un commentaire, Melly Wesh. Sauf que Benvenuto, comme vos malsains, ils s'écroulent s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, c'est vrai. Mais oui, c'est Clarissima a pas envie d'en parler, quoi, parce que, bon, encore plus à cette époque-là, je pense que si elle avouait, enfin, elle avouait, pardon, c'est pas le bon mot, si elle. Si juste Elle elle disait dénonce. qu'elle avait été. Oui, si elle dénonçait le viol dont elle a été victime, il y a quand même fortement moyen que ça se retourne contre elle. Oui. Quand on voit déjà à quel point un truc faux a été. Enfin, un truc faux. Une rumeur a été Ouais, utilisée propagée, contre utilisée. Odnéhard. Mais c'est pour ça, je sais pas comment ça aurait pu être fait. Hein. C'est juste que ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ça aurait pu être via le podestat, d'une façon un peu alambiquée. Je sais pas, ça a manqué de mise en contexte pour que justement cet effet scénaristique moral puisse avoir autant d'impact que d'en gagner la guerre. Après, est-ce que Je c'est pour comprends. inciter, justement, on parle de tirer des fils, de la complémentarité des titres les uns avec les autres, ça peut être pour piquer la curiosité et dire, bah attends, je vais aller voir ce qu'il a fait en lisant Gagner la guerre. Ouais, mais t'en as Ça peut déjà être ça beaucoup aussi. dans le tome 2, Ouais. entre il parle beaucoup de la guerre civile, des je sais pas le dire, Mastiga, comment on dit? Mastiga, je crois. Mastiga. Enfin, il y a quand même pas mal de Mastiga, peut-être. récits aussi de ce qui lui est arrivé. Ouais, c'est vrai. Mais il y a quand même cet effet-là, mais sur un autre acte, le tome 2, quand on parle de la paranoïa, quand elle atteint son max et qui tue ses compagnons de Nino. route, c'est pas un viol, mais c'est des meurtres. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est un assassin, donc c'est sûrement moins choquant, mais j'ai trouvé que ça l'était quand même dans le récit, parce qu'on n'y est Oui, plus c'est pendant tout le l'équivalent pour tome. moi. On le Ouais. prend en pitié et on se dit oh, le pauvre Benvenuto, il lui arrive tellement de trucs horribles, Ah, moi, je l'ai pas pris en pitié, par contre. il se fait mettre la misère par tout le monde. Et là, ce con devient complètement parano et il s'imagine que le pauvre Ivorin est un assassin de la guilde des Être chuchoteurs. chuchoteur.
Il est obsédé pour essayer de retrouver s'il a la bague, la même bague que Tour. lui, et devient complètement zinzin et il le bute, lui et son écuillet Et Amiette, la jument. Amiette, c'était et là, je d'autant trouve que plus ça avait. violent quand même, hein. Enfin, c'est Amiette, clair. Et en là, je trouve que plus. ça avait quand même un petit choc. Mais Parce en qu'on fait, l'a moi, quand même un ouais, peu pris en pitié. je Donc, trouve je trouve qu'elle que a ça fait un bon eu. effet. Je trouve qu'effectivement, c'est très juste ce que tu dis. C'est l'équivalent de. C'est l'équivalent de scène choc pour moi. T'as le viol dans le tome. Dans Gagner Dans la Gagner guerre. la guerre et t'as Ivorin et. Parce qu'en plus, tout va très vite, c'est pareil, ça se passe hyper vite. Donc, je pense Et. qu'il perd jamais. Perd pas de vue que c'est un gros con. Non, et qu'il faut rappeler au spectateur que c'est un salaud et que le personnage à qui tu t'attaches, c'est bah, c'est pas un monstre, mais un salaud. La scène de la focaccia, on l'a avant ou après? Pendant, c'est en fait, il me semble que quand il est en expédition là avec Ivorin, Ouais. il est obsédé, enfin il est complètement pris de paranoïa et il pense que c'est un assassin de la guilde. Oui. Et il cherche la bague et il raconte comment lui a gagné la bague. Ouais. Je crois. Et donc c'est dans la forêt juste avant qu'il le tue. Parce que juste avant Moi qu'il le tue, il y a j'ai. le rêve un peu chelou. Ou c'est après? Je me perds, attends. Non, c'est après. Oui, en fait, il voit, il transvase, enfin, il mélange en fait Ouais. Ivorin avec son initiation. Et pour moi, il le tue après avoir raconté ça. Oui, parce qu'il a, du coup, ça lui accentue sa peur de. Parce que du coup, il raconte, en fait, il raconte dans les Commensaux. C'est le chapitre 11. Parce que t'as ça aussi, c'est des. Enfin, je me souviens plus dans quel ordre c'est, mais la scène de la focaccia et de comment il obtient justement sa bague, Quoi qu'il ça raconte aussi, avant. ça. Ah ouais, c'est Pas déjà dégueulasse. choquant. C'est juste un petit test d'initiation, c'est rien. Oui, mais ça te remet le personnage un peu. Franchement, j'ai adoré. Bon, j'aime bien les trucs un peu horrifiques, tout ça. J'ai adoré cette scène. Mais oui, je t'ai C'est vu parfaitement complètement glauque. hypée. Mais je sais pas, moi, je trouvais ça très fun. Non, Non, mais c'est en tellement. vrai, En fait, c'est tellement les trucs incarné à chaque d'assassin, fois. j'aime trop. Alors, savoir comment fonctionne la guilde des chuchoteurs et comment savoir quel va être le rituel d'intronisation. Enfin, là, c'est pour qu'il accède au rang supérieur. J'ai trouvé Oui. ça trop fun. Donc, moi, ce Mais que c'est j'adore, très c'est que c'est. glauque, mais c'est sympa. C'est glauque, mais c'est toujours d'un cynisme, en fait. Moi, c'est ça qui me fait marrer. Oh Déjà, bah moi, j'ai juste oui. rigolé au début quand il y avait Focaccia sur l'anneau. Donc, déjà, ça m'a fait. Je suis désolée, ça m'a fait rire. Parce que je sentais le truc pourri qui allait arriver, forcément. Et du coup, c'est glauquissime, mais en même temps, c'est génial. Et c'est tellement incarné, ces scènes, à chaque fois. Avec le. Ils appellent ça le gourmand, en plus, c'est ignoble, Bah c'est oui. horrible. Je crois que c'est avant, ouais, qu'il raconte. Ouais, il raconte avant de trucider Ivorin. Ok. Du coup, Oh, ce toi. côté très artisanal du crime, limite, il t'explique le tuto, comment tu es. Ouais. Bon, alors, faut pas te faire repérer, hein. Donc, tu vas faire ça d'abord. Tout bien réfléchi à tout. Et quand même, quand il tue Amiette, elle écrase ses provisions en tombant sur le sac. C'est ce genre de petits Mais détails non, mais. Enfin, que c'est. je trouve géniaux. Il est le. Enfin. Le pauvre, non, mais c'est un immonde connard, mais il se loupe sur Vaumacel, il pense qu'il. Enfin, il devient parano avec Ivorin et il se loupe. Enfin, il pense qu'il s'est loupé. En fait, c'est ça le pire, c'est qu'il a réussi, mais de par. Oui, de par d'autres éléments, il se loupe sur Vaumacel, il se loupe sur la duchesse. Oui, indépendamment de ses capacités. Indépendamment de C'est ses capacités. Ouais. comme ça que le tome 2 se termine. Il apprend par le nain de la compagnie folle. C'est Non, le nain ou c'est par C'est Anoeth qui était Erin. parti. C'est Ah, c'est Anoeth. l'elfe alors Oui, c'est Anoeth de qui était la parti. compagnie Ouais. folle Ouais. Et qui lui apprend que, eh bien, elle n'est pas morte. Eh non. C'est drôle, mais du coup, la surenchère est drôle en Mais fait. oui. Mais moi, dans Ah mon souvenir, bah. il galérait déjà dans Gagner la guerre, sauf qu'effectivement, tu n'avais pas cette accumulation constante d'échecs. Du coup, il va y avoir une mauvaise note sur Yelp, quoi.
Oui, voilà. Ah, ça c'est clair. De Il galère contre aussi un peu, rater. hein. Il prend, enfin, c'est pas qu'il galère, mais il se fait complètement malmener. Mais bon, on C'est a dit ça. qu'on. Tu peux pas. Tout le monde nous voit comme un monstre, mais toi, en étant dans son POV, tu peux pas le voir comme. Enfin, tu peux pas avoir aussi peur de lui que les autres gens, quoi. Parce que tu le vois se retrouver avec des épines dans le cul, tu le vois avoir froid, tu le vois avoir faim, tu le vois se rater. Se manquer de se Et faire Mehdi. enfermer Dans un dans un tombeau. cimetière. Emily Wesh nous dit normal qu'il se plante un assassin en mode Machiavel et hors sol dans un contexte de chevalerie, il n'est pas adaptable. Déjà qu'il merde pas mal dans Gagner la guerre quand il est hors de Ciudadela. Oui, il merde pas mal. Mais en plus, là, franchement, même indépendamment du contexte de chevalerie, bon, il en chie socialement, très clairement, mais il réussit à les planter, donc c'est même pas. Enfin, on voit qu'il galère avec Ivorin parce que c'est pas les mêmes habitudes, effectivement, mais. Les meurtres qu'il rate, c'est même pas sa faute, c'est qu'il y en a un y a plusieurs vies et l'autre, on la sauve in extremis, on la ramène. Mais il réussit en soi ses meurtres malgré les difficultés liées au contexte différent de son contexte habituel. Mais bon, là, pas lutter, quoi. Oui, rater ses analyses. Mais du coup, c'est intéressant, dans ce côté artisan du meurtre, hein, parce qu'il envisage toutes les possibilités. Alors là, il faudrait que je fasse comme ça, mais du C'est un coup, comme. professionnel. Oui. Oui, c'est ça. Il a son anneau ou pas? C'est un professionnel. Puis c'est bien parce que dans sa paranoïa, il analyse le professionnalisme d'Ivorin aussi. C'est quand même drôle. C'est là où on a du mal à comprendre quand même. Enfin, on se dit qu'il est quand même sacrément atteint. Pour croire qu'Ivorin est un assassin de la guilde, quand même. Mais je pense qu'il a eu un coup dur avec oui, c'est ça, avec Vomacel, il a eu un coup dur et il est perturbé, le pauvre petit chou. Ah, et Attends. complètement. On a un Il a mal commentaire au vient cul surtout parce d'arriver. qu'il a fait du cheval. On a peut-être déjà parlé, mais qui était triste pour Ivorin? On est triste. On était bien Putain. triste, on en a parlé, on trouve que c'est un peu la scène choc qui te rappelle que Benvenuto c'est un bon connard. Parce qu'en plus, c'est quand même le mec qui mérite de tout Chevalier Land qui méritait le moins ça, Ivorin. Hein. Parce Ouais. que pour le Mais coup, c'est oui, le. il est choupi, il se fait quand même bien manipuler par Il est trop la comtesse naïf. de Brégor, il est amoureux de Des Louises. d'une demoiselle qui est promise à un autre, dans l'autre camp. Puis il croit tellement à ses valeurs. Lui, il y croit sincèrement, quoi. Il y a encore cette pureté qu'en ont pas les autres. Mais oui, en plus, enfin, dès son introduction en fait dans le tome 1, on le rencontre alors qu'il, ben justement, c'est le champion de la comtesse de Brégor et du coup il en veut à Aedan et du coup il le défie, il perd. Enfin bon, le pauvre. Mais vu par Benvenuto, c'est juste un gros plouc naïf. Bah oui, c'est sûr. Pas du Et ça, tout si trop c'était bon pas pour ce monde de Martinien tueurs, aussi. bah c'est clair. C'était pas trop Martinien, ça aussi, quand même. Le seul mec honorable du bled qui se fait Oui, laminer. c'était si triste. lui, on le tue. Allez, bye. Tu n'as plus rien à apporter. J'étais déçue du coup qu'il ait pas plus de moments que ça. Mais moi, je me. En fait, ça, oui, ça, t'as l'impression que ça lui coupe l'herbe sous le pied parce qu'il te semblait important dans le 1. Et oui. Comme une autre personne qui semblait importante dans un tome 1 et qui en fait a dégagé assez rapidement, mais. Qu'on présente comme le héros et Oui, tu vois, ça vous dit rien? bah, je sais pas. Mais oui. Non, puis en plus, enfin, la façon dont il en parle. Alors, c'est horrible parce que c'est terrible ce qui se passe et en même temps, t'as envie de rire parce que quand il te raconte, bon, ils sont toujours obsédés par leurs chevaux là, donc il veut pas lâcher ses rosses. Donc, moi, comment je vais faire pour essayer de les buter? Enfin, l'autre qui réfléchit en même temps, il me saoule. Mais c'est marrant parce qu'en fait, il vient tout te péter le tome 1, Benvenuto. Où ils sont entrés, l'honneur, les chevaux, c'est écrit, voilà, c'est écrit du point de vue Chevalier Land dans la langue de Chevalier Land, donc c'est tout beau, tout fleuri, tout reluisant, les boucliers scintillent, etc. Et même si y a un certain cynisme, du coup, il faut le décortiquer. Enfin, moi, je l'avais pas forcément perçu de suite, c'est quand on en avait parlé que ça m'avait plus sauté aux yeux. Et lui, il est direct les deux pieds dedans, à te dire qu'ils sont ridicules, parce qu'effectivement, il a ce regard en plus de l'étranger.
Il est étranger en termes de pays, de coutumes, de mode de vie, de vêtements. Enfin, donc, il a ce De regard valeur. extérieur. Voilà. Et lui, c'est un assassin. Donc, il a aucun des codes. Donc, forcément, c'est un outsider total. Et en même temps, une fois arrivé à Chevalier Land, il se fait quand même utiliser la comtesse de Brégor, ça semble pas trop lui poser de soucis, hein. Non. Enfin, Attendez. c'est Clarissima qui mène les discussions, mais ça n'a pas l'air de la choquer plus que ça, la comtesse de Brégor, que on puisse utiliser un assassin pour régler les. Enfin bon, c'est ce que tu disais, quoi. C'est vraiment que ils sont complètement hypocrites, quoi. Oui, c'est de façade. Après, on me dit dans l'oreillette, Ivorin, il est chevaleresque, mais ça n'empêche pas de coucher avant le mariage avec une meuf déjà fiancée. Oh! Bah oui, oh là Oui, mais il avait un là. petit anneau, même si c'était pas l'anneau focaccia, mais. Et puis Ils ont fait ça bon, tout joli. il a à C'est ce mais c'est vrai, moment-là, c'est il vrai. avait capturé Ils sont Prince amoureux, Cadéon. hein. Hein. C'est l'amour. D'ailleurs, à propos de ça, tant qu'on parle de notre chère baronne de Brégor, Oui. on est d'accord qu'elle a envoyé vraiment casse-pipe. Elle était vexée qu'il l'ait trahi entre guillemets parce qu'elle l'avait envoyé pour tuer Dan et il l'a pas fait. Et en plus, il se bat du côté de Odéhard, du coup, dans le tournoi à Lindinas. Et en plus, il se tape sa nièce, puisqu'on est en train de parler de ça. Et à un moment, elle discute avec Benvenuto quand elle voit qu'il reluque sa nièce, du coup, qu'elle envoie d'ailleurs hors de la tente, en disant « Ouais, ma nièce, elle est bien mignonne, mais elle croit qu'elle est plus maligne que moi. Et je vais lui remettre les idées en place. » Donc pour moi, clairement, elle a fait d'une pierre deux coups. Hein. Pensez pas C'est possible. qu'elle se disait un peu Si, qu'il y si. ait de fortes chances qu'il revienne pas de verre. Peut-être. Il faudrait T'as le. Il raison. faudrait que je le relise en fait. Tu vois, ça fait partie des choses où faudra avoir une seconde lecture pour avoir ce regard-là. Enfin, moi, je l'ai pas eu au premier regard. Après, moi, c'est peut-être mon petit cœur noir. Hein. Mais Et c'est peut-être parce que j'ai lu la nouvelle aussi. Mais je crois que je m'étais fait la réflexion avant de lire la nouvelle. Donc. possible. Ce serait pas étonnant, en tout cas. Est-ce qu'on a terminé sur le tome 2? Je Ben, serais plus dur. Quelles sont les révélations, enfin, quelles sont les théories qu'on pouvait faire alors avec si. seulement le tome 2? Donc c'est un peu compliqué d'en parler maintenant. Moi je sais, moi je sais, moi je sais une théorie. Mais Ouais, vas-y. avant les théories, Ah. est-ce que. Bah oui, t'en as pas. En plus, c'est toi qu'on a parlé, Shrodi. Est-ce que vous avez eu une scène préférée? Je pense avoir la tienne, du coup, Shrodi. Ouais, moi la focaccia. Voilà, c'était sûr. C'était sûr. Sans surprise. Voilà, oui, là. Moi, c'est horrible aussi. Putain, ça va Vraiment, être la focaccia? les sociopathes. Moi, je pense que c'est ben, la scène avec Kivorin. Mais peut-être parce que c'est un climax aussi dans le roman. Ouais. Mais sinon, après, moi, j'aime bien toute la scène dans la nécropole. Parce que globalement, j'aime bien quand Benvenuto fait du camping sauvage. J'ai eu J'avais bien aimé peur. aussi les passages à Bourpreux dans Gagner la guerre. Donc, ça m'a bien plu aussi. Ouais, la nécropole, il y a eu à un moment donné, j'étais pas bien. Enfin, en plus, je lisais ça dans le noir. J'ai fait des insomnies ces derniers temps, donc je lisais sous la couette comme ça et tout. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Je trouve que j'avais pas eu ça avec le tome 1. C'était pas forcément l'ambiance, mais La ni dans focaccia pour bien Gagner la dormir guerre. aussi. Oui, voilà. Mais la scène dans la nécropole, ouais, il y a un moment donné où je disais, oh non, qu'est-ce qui se passe? D'où la qualité de l'ambiance quand même. Mais un peu comme toi, je pense que l'une de mes scènes préf, c'était toute cette paranoïa autour d'Ivorin. Mais au tout début aussi, quand le Podestat, il fait la leçon à son neveu sur les règles du jeu. J'avais Ah trouvé la oui. leçon politique tellement chouette. Tu comprends que Césarino, il pige rien à ce qu'il faut faire. Il est envoyé en tant qu'ambassadeur et pour placer les billes du Podestat à distance. Bah, je fais quoi? Ah, tu fais à peu près ça. Oui, mais sinon, je fais quoi exactement? Bon, bah, puisque t'es trop con, vas-y, je vais t'expliquer. Mais de façon très subtile, en fait. Mais il est génial, le personnage de Léonide Ducator. Ouais. Ouais. Enfin, il est horrible, mais il est génial. Et les scènes de discussion qu'il peut avoir, notamment à Benvenuto, où tu as enfin, des discours sur plein de registres, enfin, sur plein de niveaux différents, entre il y a ce qu'il dit, ce qu'il sous-entend. Et du coup, au fur et à mesure de la discussion, à Benvenuto qui essaye de comprendre et qui lui pose des questions, enfin, c'est ultra intéressant et ça.
un stratège assez redoutable. Et je trouve qu'il y a un vrai plaisir à le voir faire ses plans, à se moquer de tout. Enfin, c'était déjà dans Gagner la guerre. Et bah, moi, j'aime beaucoup ce personnage. Tout autant que je le trouve horrible, mais Oui. il est vraiment très bien écrit Ouais. et c'est un plaisir de le voir à l'œuvre. Et avec ce côté très impénétrable où t'as juste la petite fenêtre du coup de Benvenuto Mais oui. connaît son patron. D'ailleurs, il y Bah, à a un dans moment, Clarissima lui dit que. Oh non, où j'invente cette scène, Vas-y. qu'il le connaît. Benvenuto connaît son père mieux qu'elle, ou un truc du style. Il dit pas Ça me ça, dit c'est moi qui invente. quelque chose, C'est mais possible. c'est C'est pour moi dire qui gagner invente la une guerre. relation. Oh, elle lui dit, c'est toi son vrai fils, et nous. Non, Mais je ne sais non, mais plus. c'est possible. En tout cas, Ça me dit. Alors, je sais pas si c'est que j'ai envie de que ça existe ou du coup si ouais. je m'en souviens, mais ça me parle. Bon, Bon, en en vrai, vrai, ça fait, veut dire dire qu'ils ont frères et sœurs et c'est un peu dégueulasse, mais. un peu. Non, ça, c'est Game of Thrones. C'est trop de faire ça. Chacun son truc. Mais d'ailleurs, si vous voulez découvrir l'entretien d'embauche de Benvenuto, vous pouvez lire la nouvelle Mauvaise Donne dans le recueil de Jamia Vera. qui est très très bien aussi. Bon, je vais peut-être les lire ces nouvelles. Après Cœur de Dragon. Même celle-là, tu l'as pas lue? Mais j'ai lu Mauvaise aucune donne? nouvelle, en Oh fait. là là, mais oh là, bah, en vrai, c'est trop bien. Il y a tout un monde qu'il te reste à découvrir. Ben oui, mais Lis après. au moins Mauvaise donne. La première nouvelle du recueil, elle est pas terrible. Enfin, moi, je suis pas super fan. Pas lu. Je ferai après Cœur de Dragon. Déjà, pour vous dire, j'avais très envie de lire Cœur de Dragon. Je me suis offert de moi à moi-même le dernier tome pour Noël. J'ai fait exprès de le laisser encore dans son paquet cadeau pour ne pas y toucher avant qu'on fasse ce Twitch. Voilà. Voilà jusqu'où va ma volonté. Un paquet cadeau. Donc bon. Mais je note, je lirai les nouvelles après. Un personnage préféré ou pas dans ce tome 2? Arisima, moi j'ai quand même vraiment bien aimé. J'ai bien aimé qu'elle mette la misère à Benvenuto, j'ai trouvé ça Ouais. assez savoureux. T'es mérité tout de même. Oui, elle est quand même relativement gentille. Elle lui fait des petites farces, quoi. Oui, ça faisait un peu gamine. Elle lui pourrit son lit avec des puces. C'est elle qui fait courir la rumeur que Benvenuto, en tant que créancier de, je sais plus quel est son titre, trésorier, c'est lui qui s'occupe des dettes et du coup tout le monde vient le voir. Je sais plus si c'est elle qui fait ça. Enfin bref, j'aime bien le personnage Clarissima. Ça, je l'aime bien, mais on l'a pas beaucoup vu. Non, peut-être pas assez. Bon, on la voit surtout dans le tome 2, mais elle est chouette. Après, moi, je crois pas que j'en ai vraiment. Parce qu'après, c'est difficile, de toute façon, quand t'as le point de vue de Benvenuto, de que ton attention soit vraiment beaucoup attirée par quelqu'un d'autre que Benvenuto. C'est clair. C'est ce que Par j'allais contre, ça dire. m'a fait changer de regard sur un personnage que j'avais pas aimé dans le tome 1 et qui était justement en dehors de ses codes de Chevalier Land. Mais c'est Fitzganelon, le bâtard, le Oui. grand bâtard. Et Tu c'est le l'as aimé seul dans le tome que. 2? Bah, je dirais pas que je l'ai aimé, mais il paraît plus sympathique bah, parce qu'en fait, Benvenuto l'aime bien et t'as le point de vue de Benvenuto. Et du coup, ça te le présente un peu en mode bah, le seul qui est pas un hypocrite de Ouais, je chevalier. suis d'accord. C'est marrant de. Voilà, t'as pas du tout le même. Voilà, c'est pas du tout mon personnage préféré et je l'aime pas particulièrement. Mais c'était marrant de voir vraiment les deux visions de ce personnage-là. Bah, il fait, comme tu dis, en fait, il fait moins hypocrite que les autres, donc du coup, il est, entre guillemets, plus appréciable. Enfin, que les Et autres c'est vrai. chevaliers, j'entends. Ouais. Et c'est Est-ce que c'est vraiment lui? marrant. Oui, Non, j'allais dire un je. truc sur l'identité de sa mère. C'est à lui, j'ai lu un truc sur ça. Bon, ça va à la Que fin du moi, tome 1 je. qui c'était sa mère, non? Dans le tome 1, on apprend qui est sa mère, ouais. À la fin, oui. C'est qui? C'est la Mystagogue Oui, Prudence, c'est non? ça. Oh, ok, moi, j'étais à côté de la plaque. Je ne savais point. Non, mais pour une fois que c'est toi qui es à côté de la plaque et pas nous, voilà, ça fait plaisir. Ouais, je me souvenais plus de. Bon, bref, on s'en fiche. Est-ce que vous avez eu Mais. plus de sympathie pour le survivant de Vomacel? C'est-à-dire. Le survivant de Vomacène?
Si c'est vos macelles en tant que telles, bof, hein. toute façon, ça, on On va. en parle dans le tome 3? Ouais, Je pense qu'on va pouvoir passer au tome 3, non? oui, je pense. Bon, en tout cas, et si Ah, vous tu voulais n'avez. dire, il voulait dire Ah, Eva, mais Eden de pas vos le. macelles. Ah si si théorie théorie pardon Ah oui, t'avais un truc à et dire, toi. oui Aux théories. la chasse aux théories a commencé pour moi au tome 2 justement quand Benevuto il est au niveau de la nécropole il tombe sur une tombe Ah avec, oui. avec des roses et une inscription j'ai plus en tête l'inscription parce que déjà c'était indescriptible, mais en gros, c'est la tombe d'Aedan Vaumacel. Et Si, attends, Sigira. je l'ai. Vas-y, merci. Sigira par 13 Fès, Aedan, chevalier de Vaumacel. Voilà. Et sans spoil aucun, moi je vous dis ce que j'ai ressenti en le lisant. Mes deux comparses en sont témoins. Je me suis dit, ah, ça veut peut-être dire, j'ai eu un peu deux théories. Déjà, ça m'a renforcé dans l'idée que Vaumacel, il avait peut-être plusieurs vies, un peu comme les chats. Je me suis, à ce moment-là, j'ai eu deux théories. Soit qu'il mourrait ici quand il lui resterait plus que trois épines sur son blason, sachant qu'il avait commencé le tome 1 avec quatre épines, on avait dit que oh bah avant il en avait peut-être 5, c'est ça, je crois, on en avait Oui. reparlé. Quelqu'un lui fait la remarque, bah c'est Ivorin qui lui dit, ah c'est marrant, la comtesse de Brigor m'a dit pour vous repérer qu'il fallait Ouais. chercher 5 épines et vous n'en avez plus que 4. C'est ça. Bizarre. Et donc bah moi quand je vois la tombe avec les cette histoire de 13, je me suis dit, ok, soit ça veut dire que il sera là quand il lui restera plus que 3 épines sur son bouclier qui va mourir ici, voilà. Soit ça voulait dire que en tout il avait 13 vies. C'était ma théorie à ce moment-là. Mais j'étais quasi sûre, en tout cas, enfin on en revenait au il a plusieurs vies. Est-ce qu'il allait mourir là quand il en avait 3? Ou est-ce qu'il en avait 13 en tout et pour tout? J'en savais pas plus. Mais je suis allée relire. Suite à ça, je suis allée relire le tome 1. Puisqu'on a l'ermite de c'est Nantes? Humel, ouais. Humel, ou Humel. Humel. Qui Humel. lui en parle, en fait, De la déjà en tombe. disant bah, si un jour vous allez à Vert, en gros, cherchez une tombe avec deux rosiers, il y aura une inscription. Vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi j'ai réagi comme ça en vous voyant. Et donc, j'ai commencé à faire des théories, et c'est pour ça que, perso, le tome 3, je l'ai vécu un peu comme une chasse aux indices et une enquête. Oui, forcément, ouais. Voilà, voilà. Vous aviez pas du tout eu de théorie à la fin du tome 2, même pas par rapport à l'introduction. Alors, dans le tome 2, Simon, à partir du tome 2, mais en fait, comme je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai pensé à la lecture du tome 1, je ne sais pas si j'avais décelé quelque chose dans le tome 1 ou pas. Je ne me rappelle sincèrement plus. Oui, Melly Wesh, je peux aussi évoquer une théorie du tome 2, dis-nous. Bien sûr. Et moi, je pense que je l'ai vu en lisant des théories Ouais, c'est le problème du coup. sur C'est le Internet. problème. Tu sais pas si tu aurais vu tout seul ou pas. Bon, franchement, non, je pense pas. Hein. Non, Moi, le truc des épines, j'aurais vu, je pense, mais. mais à ce moment-là, toi, je crois dit, tu m'avais dit, ah, oh, ça doit pas être du futur, parce que Benvenuto a pas été choqué, il a pensé à un aïeul. Tout à fait. Donc tu partais pas forcément sur la même théorie que moi. Mais après, on sent qu'il passe vite dessus quand même, En même temps, c'est il a une Benvenuto. ouais, il a une mission à accomplir et puis c'est enfin Moi, c'est j'ai relu le flippant toute passage, du cette coup. ambiance, bordel. J'ai relu le passage, j'ai dit, oh, c'est machin que j'avais planté. Et en fait, il passe à autre chose après, quoi. Alors j'ai pas le chat sous les yeux, donc je vous fais confiance pour Ouais. Melly Wesh nous parle du double attachement de la Lysandière à Edan et au fils de Ganelon. Ça, c'est à la Ah, fin du l'envol. tome 1, pendant le tournoi des preux, ou le tournoi de l'immortel, bref. Où, en fait, pendant la nuit avant le jour 2, la Lysandière qui a été invoquée par Mirabilis
donne ses couleurs, ou je sais plus comment on dit ça, Son ruban à bleu, ouais, je Edan crois. et à je sais plus lequel des L'envin. fils, Lanvin, et elle dit qu'elle est sa marraine. Et le lendemain, quand les deux bonhommes voient qu'ils portent, en gros, c'est une manche ou un truc du style, Ouais, pour moi, c'est un ruban qui est accroché, un ouais. petit ruban, ils se rendent compte qu'ils ont le même ruban, et ça, bah, pour ces messieurs, ça va pas du tout de se battre pour les couleurs d'une même dame. Et donc, ils sont sur le point de se taper, et après, il se passe autre chose. Et donc, du coup, j'ai pas suivi Bah, du coup, la je ne théorie sais de. pas. Je pense qu'elle est en train de développer. Ah. Ouais. T'as parlé de Mirabilis, j'ai mon propre Mirabilis qui est venu, du coup. Ça fait très méchant de film Moi. d'espion. En plus, j'ai la chaise qui tourne, tu sais. La révélation. Et par ailleurs, Benvenuto qui voit les Desi Catorian de nuit faire des trucs louches, ce qui fait écho avec la scène avec Mirabilis au tome 1. J'ai pas bien enfin, suivi ce qui s'est dit dans Dans le le tome chat, mais. 2, Benvenuto voit les Desicatoriens de nuit faire des trucs louches. Ouais. Et Et ça renvoie tous les animaux qui hurlent à la aussi. scène de Mirabilis Ah qui assiste oui. à une cérémonie là dans les souterrains et il se barre. Hein. Et du coup, la théorie. La théorie, qui en fait n'avait pas de rapport, mais c'est une Ah. réponse à ce qu'on disait, Pardon. le fils de Ganelon aurait-il été enlevé par la Lysandière dans sa jeunesse? Donc ça, c'est ta théorie. Pas la mienne, non, Non, c'est... non, enfin. Oui, ok. Que Que ce soit clair, je ce la soit viens clair, c'est pas de la moi. théorie. Le fils de Ganelon aurait-il été enlevé par la Lysandère dans sa jeunesse? Ok. Et j'ai oublié le pseudo de la personne qui vient d'émettre cette théorie. Meliwesh. Miliwesh. Meliwesh. N'en est qu'à la moitié de la lecture du tome 3, c'est ça. Non, ça c'était l'eau. Je crois C'était bien. l'eau. Oui, c'était l'eau. Ok. Je Mais pense ouais, que t'as pas lu le l'eau. tome 3. Pense qu'il est en train d'écrire. D'ailleurs, en parlant de Mirabilis, un peu déçu de ne pas l'avoir vu du tout dans le tome 2. Mais oui! J'ai cherché les chats Deuxième, et je crois pas l'avoir vu. Non. sur les Desicatoriens, montrerait que l'intervention de Mirabilis n'a pas arrêté ceci. Ah d'accord, elle a lu le 3, mais elle fait comme si elle l'avait pas fait. Ok. Ah, ok. Un peu comme ce que nous on a Merci. fait. D'accord. Une autre théorie, mais je ne sais pas si c'est bien dans le tome 2 qu'on parle des Ourromans et d'un certain guerrier qui. D'un Droth? chef qui revient. Oui. Oui, on en Ou de parle au tome Pharbaçak. 2, oui. Tu parles d'un des chefs carrément ou de celui qui se bat Oui, hyper non, bien là? D'un chef qui avait celui-là, là. disparu, qui est revenu Droth. et qui a pris sa Pharbaçak. place. Pharbaçak, je crois, non? Non, pas lui, l'autre, Un c'est-à-dire autre. Droth, c'est pas ça? C'est Le Droth, c'est possible. le guerrier qui désingue tout. oui, voilà, mais lui, il n'y a pas un mystère comme quoi. Non, Enfin, c'est pas lui, c'est il. un des chefs qui avait disparu et qui est réapparu. Ouais. Et du coup, sa mère le cherchait partout. Elle disait c'est bien lui. Et les autres, ils disaient non, c'est pas lui. Ah ouais, je pense que c'est pas lui. Mais en tout cas, il y a des théories. Mais je sais pas si je spoil. Oui, voilà. Il y a des théories comme quoi le Droth, ce serait un personnage qu'on a vu Ah, dans c'est une par rapport à nouvelle de ça. Bon, Jano c'est pas le Vera reste et du tome 3. dans Gagner la guerre. Je ne veux Moi, je pas me suis posé savoir. la question. Question. Là, enfin, tout le monde a l'air complètement sûr que c'est ça. Moi, j'avoue que ça Ouais, y a pas. m'a complètement dépassé. J'ai eu un peu du mal à rentrer dans les tout courts romans. Déjà, parce qu'il y a tout un vocabulaire avec les volvoïdes, archéides, je sais pas quoi. Orque. J'étais pas à jour et j'ai eu un peu du mal à rentrer dans leur. Mais je me suis posé la même question que les gens qui se posent la question. Du coup. Bah, t'as lu la nouvelle en question, Ouais, non? j'ai lu la nouvelle, mais j'ai pas trouvé d'indice ou alors je suis passé à côté. Si, t'as dit Lande Grise, non, c'est pas ça? Oui. Mais j'ai après voilà, j'ai pas trouvé d'indice plus concret qui me permettait d'être sûr mais il y a possibilité vu la dernière personne avec qui on a vu cette chute. Oui. Oui. Donc à voir si on en saura plus ou pas. J'ai guetté un peu quand on voit les Ourromans, mais. Et d'ailleurs, cette lecture m'a permis d'enfin dire et écrire et prononcer correctement Ourromans, que j'ai appelé les Ourromans, je pense, pendant tout le 1. J'avoue que j'ai fait ça au bluff, Ça s'entend c'est bien pas ça? trop, mais.
Ouroumant, mais moi j'ai envie de dire Ouroumant, je trouve que c'est plus harmonieux. J'avoue que moi, je Ouroban, n'ai même pas je sais réfléchi même là. plus ce que je disais. Non, mais je suis en train d'y penser. Si Ça n'a j'avais commencé à aucun réfléchir, intérêt, j'aurais pas mais. dit, je pense, parce que maintenant que Oui. tu le dis. Bon, Non, mais bref. t'as dit Ouroumant, ça s'entend pas à l'oreille de toute façon. Ah ouais. Mais oui. Tes cousins des Orokai. C'est un peu ça. Bah, c'est un peu comme ça que je les imagine, moi. Oui. Le fils de Ganelon, alors je me souviens très mal du 1, le fils de Ganelon, il avait disparu à un moment? Ou on le voyait plus à la cour? Ou Non, on le on se connaît pas souvient plus? celui-là. C'est Lanvin, il sert un Lanval. peu à rien. Ça me paraît. Lanval. C'est Lanval? Oui, c'est ça, non? Ouais. Ah, ok. Mais mélancolique fils aîné. Ah bah c'est le fils aîné du Oui. duc Ah, c'est sur le Google Doc. Non, je dis ça de tête. Pour qui tu me prends? J'ai une excellente mémoire. Il est sous la protection de la Lysandière qui il se révèle être un grand combattant lors du tournoi de l'immortel. Non, mais on le voit pas beaucoup, lui. Non. Et Ganelon, il a quand même. Oh bah, il a une flopée de gamins. Hein. Il a plein d'enfants enfin, il a des enfants de quatre lits différents. C'est Attends. les mots du roman. Il dit, wesh, mais Il carrément. Carrément, les mots du roman. 3, 4, de est dans 5 sa lits chambre. différents, non? Mais en fait, t'as Lanval, sa Oui? mère est morte en couche. Tu as le Fils Ganelon? bâtard. Bon, tu sais qu'on t'a pas marié, mais voilà. Tu as les deux là, Oui? Méléagant et Blancandin avec Oui? leur complexe d'Oedipe. Et tu as ben, le fils de De Clarissima, Clarissima. mais tu as aussi Léoguer, je crois. les ouais, J'en oublie. Léoguerre, un Ah, truc mais comme oui, il y a ça. le petit roux T'as là. le Mais petit roux. seulement anecdotique, mais oui, je ne sais pas qui est sa mère. Bah, 5 alors, oui. C'est pas qui le petit roux. Le petit roux, c'est Erland. Erland qu'on voit au tout Erland. début quand ils arrivent à Carroël. Et ils les accueillent après leur traversée géniale avec Ollier de L'Aulnay, qui est le chevalier de Vernejoul, qui est bien lourdingue. C'était drôle aussi, ça, qu'elle leur envoie le pire mec de son hôtel pour les accueillir. C'est les roues de secours, ils comptent pas. Wesh. De quoi? Je vais Le aller, gamin je vais. compte pas là, le roux? Ouais, elle dit c'est le roux Le de roi de secours. secours. Oh, c'est horrible. Je valide cette La blague. blague est très drôle. C'est génial. Ah là là. Mais oui, c'est vrai que lui, on le. Mais tu vois, il y a tellement, en vrai, il y a tellement matière à avoir encore des livres avec Mais des bien sûr. personnages qu'on a juste évoqués, mais qui sont mis de côté après pour les avoir de façon plus centrale. Quand tu fais le compte. Oh, c'est clair. Est-ce qu'on passe au tome 3? Je pense, ouais. Bah ouais. Sinon, ça va durer 4h15 de toute façon. Pour le bien de tous. Pour le bien de tous, si vous Avançons. n'avez pas lu le tome 3, ou enfin, si vous n'avez pas lu le tome 3, ou si vous vous en fichez d'être spoilé, vous êtes les. Non, attendez, je dis des bêtises. Bref, on va parler du tome 3. Ceux qui ne veulent pas être Voilà. spoilés, partez. Réfléchissez à Si votre situation. Vous devez savoir vous si vous savez ce que. partez ou pas. Voilà. On va pas vous dire quoi faire. Revenez sur YouTube quand vous l'aurez lu. Ouais. Mettez Laissez-nous des une likes petite et émoji commentez. focaccia en commentaire. Je pense qu'il n'y a pas à mettre une pizza. Du pain. Du pain, Oui, du du pain. pain. De l'huile d'olive. Et une bague. Ah oui, une bague. C'est pas mal. Et un Allez, couteau. tome 3. Tellement On d'émojis spoil. possibles. On spoil. Tellement de choses à dire. Merci Gaoula. Salut. Laisse-nous une petite emoji quand tu vas sur YouTube après. Merci d'être venu. On est bon? Ouais, Tout je le monde est parti. pense. Qui veut commencer? Alors on fait quoi? Il faut qu'on le résume déjà parce qu'on l'a pas encore résumé. Oh, Shrody est bon pour Bah, les résumés. le régime. Je peux le faire si tu Bah non, mais veux. c'est sûr. Comme tu le S'ils sens. sont là. Si les lecteurs, S'ils sont là, si c'est les gens qu'ils sont l'ont là, lu. c'est qu'ils l'ont lu. Oui, est-ce Mais qu'on l'a on revient résumé? à Aedan de Vaumacel. Oui. Ça se passe, je crois, un mois après la fin du tome 2. C'est à peu près ça. Il y a eu une invasion au roman. Qu'au Donc c'est début, la on merde. pensait à peut-être à Odéhard. Hein. C'est ce qu'ils se disent aussi au début aussi. Mais du coup, dans le tome 2, ils en parlent. Parce que c'est la grosse débâcle. Ils disent, oh, Odéhard s'est échappé. Oh, les Ourromans nous ont attaqués. Oui. Bonne fin de soirée. Pendant le chat. Et donc, bref, et il y a eu un enlèvement.
le fils du Ah oui. comte. Du comte, je ne sais plus si De c'était un comte, Kimark. Oui, Auguste de Kimmark. Anduzel. Son fils a été enlevé par les Eaux-Romans, justement. Et Aedan, plus un chevalier, là, on se posait la question si on le connaissait, et oui, on le connaissait, C'est le Kowir, sire de c'est ça? Froëch. Ah non, c'est Froëch. Ouais. Kowir, c'est plus tard, Kowir, pardon. il est blessé, donc il participe pas à cette Kowir, entrevue. Géant Gérand, c'est celui Gréant. qui a le seum contre Aedan, parce que c'est lui qui l'a Il a remplacé pendant le remplacé dans le tournoi tournoi. Oui. pour la. Enfin, en gros. Ouais, le Je sais pas duel comment pour dire. défendre l'honneur D'Odierne. d'Odéarn, en fait. Tout à fait. Et Kohir s'est fait gentiment battre. Croisé. Et donc il a trop le seum. Et donc oui, non, là c'est Gérian. un autre. Gérian de son Gérion prénom. de Gérian. Froëch, Oui, c'est ça? c'est un homme du comte. Et donc on retrouve, bref, tout ça, c'est pas passionnant que je raconte tout ça, mais on retrouve Aedan et dans une expédition pour aller récupérer. Bah pour Pour aller négocier en fait récupérer l'échange. le Ouais. fils du comte. Oui. Et il y a Et il est aussi le chevalier au accompagné pied. d'Ameline. Tout Ouais. à fait. Ameline. Un elfe très puissant. Et très elfique. Et très très elfe. Et voilà. C'est tout. C'est la scène Fin. d'ouverture Bonne soirée. devant chez les Ouromans. Bah, je sais pas quoi dire. D'ailleurs, c'est un peu comme dans le 1, en fait, il est un peu brinque-ballé parce qu'il continue Oui, pas du tout par là où il a commencé. Oh, mais non, T'as mais en des. plus, quelle girouette c'est! Enfin, il est Je vais faire ça plus insupportable, tard. cet Aedan. Il se fait retourner la tête par toutes les femmes Ah qu'il ouais, mais croise. moi j'ai fini en me disant, mais il est tarte quoi, en fait. Ah bah ouais, mais en plus, à la fin, il fait n'importe quoi, hein. À quoi ça sert d'avoir autant de vie si c'est pour être aussi tarte quoi? C'est clair. Et puis son honneur Bon, en quoi. fait, je saurais même plus dire. Enfin, au Oui, son début du honneur. tome 3, il est toujours du côté d'Odéhard. Oui, bien sûr. Et il va, en fait, il apprend que elle est en mauvaise posture, hein, parce qu'elle a été assassinée. Oui. Enfin, il y a eu une Non tentative mais ça me fait rire, d'assassinat elle est en sur mauvaise elle. posture parce qu'elle s'est Elle suicidée. n'est pas en grande forme. Et donc, bah, une partie du roman, il va essayer juste d'aller la voir, de se faire recevoir. Et puis, en fait, il y aura quand même pas mal de péripéties et son allégeance. Enfin, le souci du petit Aedan, c'est qu'il a quand même plusieurs allégeances de personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui, à la fin, vont finir par pas par s'affronter, mais enfin, si, Bah, enfin, je sais être en pas comment dire. opposition en fait. Oui, tout à fait, mais pas personnellement, c'est Non, plus non. pour des questions de. De Par Aedan valeur. interposé. Ouais, Oui, c'est ça. c'est des idéologies et des questions de culte, on va dire. Voilà. Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, Mais ça du coup, commence. oui. Hein, non, vas-y, Pardon, non, pardon. vas-y, je t'en prie, je redis. Non, vas-y, toi. Non, je vous en prie, non, c'est moi. Bon, oui, là, Parce vas-y. Je fais que modératrice. si on retrace son itinéraire, du coup, c'est ça. Alors, au début, il est avec un peu la team Anguzel, parce que déjà, il s'est Oui. battu avec eux au tournoi pour essayer d'aider à récupérer Clodas, mais il n'y arrive pas. Donc, après, ils vont chez Anguzel, chez le comte qui pète un câble. D'ailleurs, c'est très drôle ce passage. Que dans le 2, on avait Ganelon qui pétait un câble sur Rainfroi du Trèfle, et là, on a Oui. le comte qui s'énerve parce qu'on n'a pas ramené son fils. Et qui casse tous les meubles dans la chambre en criant « Mon fils! Mon fils !» Ça, je trouvais ça très drôle. Après, on a une digression avec le frère Windemere qu'on avait vu dans le tome 1, le sergent du Sacre, et qu'on retrouve, parce que lui aussi s'est fait kidnapper, et du coup, c'est lui qu'ils ont récupéré au lieu de récupérer Clodas de Kimmark, et qui du coup raconte son enlèvement, et qui du coup reparle de l'ermite qui s'est fait trucider. Mais c'est aussi l'occasion de parler de Ferbassac. Et oui, et là on a une révélation sur Le... justement l'ermite qu'on avait déjà vu et qui est, roulement de tambour. ça, la licendière à Quoi? l'ermite, pardon. Parce que Non. je lisais en même temps le Mais chat. on a lu le même Pardon. livre ou pas? Non, je lisais le chat en même temps. Pardon. Mais oui, non, non, c'est ben, c'est le l'auteur du Bel Églantier. Oui, devin C'est ça. C'est moi qui ai Belcastel. la bonne réponse. Bravo, tiling! C'est effectivement Devin Belcastel. Ce dont on Tout n'a à rien à fait. foutre, soit dit en passant, enfin personnellement, Bah en mais. fait là je pense qu'on est passé à côté du truc. Je voyais sur les forums tout le monde en parlait déjà dans le tome 1 ou dans le tome 2 en disant oh, bah c'est sûr que l'ermite c'est machin Delvin de Belcastel. Enfin
Moi, j'y étais pas du tout, quoi. Ça, qu'on soit passé à côté, bon, on verra à l'aller-retour si on trouve des indices. Par contre, ce qui est fou, et qui revient un petit peu, je trouve, avec ce qu'on avait dit du tome 1, l'hypocrisie des chevaliers, etc., c'est une petite digression par rapport à Willa qui fait tout le parcours du chevalier, mais Vas-y, j'en vas-y. profite. Selon le alors je sais pas le dire, mais le chef, le roi des romans, Urbassac? Verbasac, merci, j'arrive pas à le dire en fait, donc j'ai Où toujours est-ce un que c'est doute quand je sais pas le Urbassac? dire. Bah, pour lui, avoir le devin qui écrirait un roman et l'avoir enlevé et tout ça, ce serait un fait, mais qui est tellement haut dans l'échelle de la vilenie que il se ferait attaquer, Oui, ça respecter. c'est Enfin, drôle aussi. mec, c'est un. Et puis, du côté des nobles, ça a l'air d'être affreux. Ils ont enlevé un poète. Enfin, je sais pas, c'est pas ça qui devrait les inquiéter, en fait. Ok, c'est pas cool, tout le monde l'aimait bien. Hein, c'est comme si on enlevait notre petite George à nous et qu'on menaçait de le tuer pendant une guerre. Bah, c'est peut-être pas le plus important non plus, quoi. Je me suis fait la même réflexion. Genre, on brûle les gueux, on viole leurs gonzesses et voilà, mais ils ont Ils ont tué tué le le vin de. poète, quoi. Ils ont. Surtout qu'au début, c'est plutôt lui, il l'enlève en disant parce que je l'ai enlevé, en gros, je vais avoir un poids. Et c'est fou de se dire que même pour lui, enfin, que dans la tête de tout le monde, des grands, des nobles, etc., c'est important. Et c'est ça montre qu'ils s'en foutent complètement du peuple. Pour le comte de Kimark, c'est pareil, il crie mon fils, mais lui, ce qui l'angoisse quand il te le dit. C'est parce que tant que son fils il est là-bas, il peut pas prendre parti, et tant qu'il prend pas parti, ses coffres, sous ses sous, ils fondent comme neige au soleil en fait. Ils s'en foutent tous ceux qui sont butés, c'est Ah oui, le mais ça c'est une son. constante avec le tome 1. Mais je crois que ben, Exactement. j'ai pas réussi à retrouver la citation dans le tome 2, mais Benvenuto, qui est quand même un homme du peuple à la base, le dit à un moment donné. Enfin, non qu'il compatisse avec les Plouks, hein, mais il dit qu'en gros, ben, ils sont tellement occupés dans leurs Oui. préoccupations, qu'ils sont complètement détachés de la réalité, a tellement considéré que ben, les gens du peuple valent rien, qu'en fait ils voient pas arriver les coups quand ils arrivent d'en bas. Je crois qu'il dit quelque chose un peu dans ce style-là. Et je Ou alors j'ai m'étais. pu te réinventer parce que je l'ai pas retrouvé, mais. Non, mais c'est possible. Moi, je m'étais noté une phrase justement quand il tue le poète. Quelque chose de plus condamnable que le massacre des gens de guerre, la conquête des terres et même le supplice des prêtres. D'accord, Ouais. donc buter un poète, c'est pire que tout ça et pire Ouais. que le peuple. Et il y Ouais, a je me suis fait vraiment la ce réflexion. parallèle avec le tome 1, on s'en fiche du peuple, c'est juste les querelles avec les nobles. Oh zut, ils ont tué des gens avec qui j'étais en querelle, je pourrais pas laver mon honneur sur le champ de sur lors d'un tournoi ou lors d'un duel. Il y a une guerre, c'est hautement plus important en fait. Enfin, je sais pas si ça vous a fait cet effet-là, vous aussi, mais j'ai retrouvé effectivement ce parallèle avec le tome 1. Ouais, c'est vrai. Après, c'est intéressant ce qu'on nous dit, ce que Melly Wesh nous dit dans le chat aussi. Bon, elle parle de la ligne directrice d'Aidan, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler quand on va parler de la fin du livre. Elle dit sur le devin de Belcastel, il y a le côté devin et le pouvoir que l'on prête dans l'Antiquité, slash chez les Celtes, aux Aèdes et aux Bardes, comme communiquant avec les dieux. Je me demande s'ils captent ou pas, je trouve ça pas clair, je sais pas. Mais après, elle réagit à ce que tu dis en disant: Mais oui, selon les critères de l'époque, ces écrits sont magiques et disent l'avenir. Et toi qui as cette notion-là dans le. Moi, j'ai plus senti en mode c'était leur coqueluche et ils aimaient tellement son livre, en gros, que. Mais c'est intéressant, par contre. Les latins, Carmen, à la fois le poème et la formule magique. Après, oui, pour le coup, Est-ce qu'ils le savaient, c'est. les romans, que l'autre il écrivait des trucs qui allaient se passer? Moi, son œuvre s'écrire. Mais elle n'est pas déjà écrite, son œuvre, et on n'a pas des extraits plutôt de son. Ah si, plus tard dans le 3. Oui. Oui, On puis voit son on œuvre voit s'écrire dans la aussi. scène avec Lysandre. Oui, on Mais voit est-ce que aussi. les Attends, non, Ourromans sinon étaient au courant de j'ai ça? Azer. J'ai Cernan. Je sais pas. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'était un peu le bordel des Ourromans. Juste. Moi, j'ai l'impression qu'ils voulaient surtout le capturer. En mode, hé, on a piqué devin de Belcastel. Et qu'en fait, comme il l'a saoulé, il lui a coupé la tête. Alors, moi, encore une fois, je suis horrible parce que cette scène chez les Ourromans m'a fait rire.
Autant j'étais un peu triste pour frère Winemer. Winomer quand il raconte la captivité, la capture et tout ça. Mais franchement, faire Bassac, moi, il m'a fait rire. Même la confrontation au début, parce qu'encore une fois, là, c'est le clash des civilisations. La confrontation sur le. La confrontation chez le. Sur le pont déjà au début pour récupérer Clodas m'a fait rire. Qu'ils se font envoyer bouler, enfin ils ont aucun respect pour les convenances, ils ont aucun respect pour leur façon de faire. Enfin, voilà, eux aussi ils sont aux antipodes de la chevalerie. C'est pas étonnant que Benvenuto sympathise avec le mec qui est pote avec les Ourومans dans le tome 2. Et du coup, enfin. Voilà, c'est la façon dont c'était écrit aussi. Bah, ah, mais très bien, je vais suivre ce que vous me dites. Et clac, il lui coupe la tête, quoi. Enfin, c'était, hop, allez, faisons ça. Donc, je sais pas dans quelle mesure ils avaient bien calculé. Et on voit son œuvre s'écrire dans la scène avec la Lysandière. C'est Cole, Quel, je sais pas comment dire, qui le remarque que les bardes sont sacrés chez les Celtes. Oui, c'est vrai qu'il y a un livre aussi quand Edan est chez la Lysandière. Posé sur le train. Mais c'est la scène avec pour moi, alors j'ai peut-être mal compris en le lisant, mais pour moi c'était la scène de la première rencontre entre la Lysandière et Vomacel qui était présentée. C'était pas une scène future, c'était pas la scène qui allait arriver. Enfin, j'ai peut-être mal compris, mais. Oui, mais par contre, quand ils sont à Veyr, dans la tour de Cernaghin, là par contre, c'est ce qui est en train. C'est Cole aussi qui fait remarquer, je crois, en disant C'est non, mais nous. regardez, il y a que le chevalier au pied. Enfin, c'est nous, en fait, il les cite à eux en disant il y avait telle personne, et dont les deux chevaliers, sauf le chevalier au coucou qui est pas là. Et chez la Lysandière, je retrouve si j'ai Mais marqué ou pas. t'as le chevalier au pic qui lui dit justement, méfie-toi, c'est pas forcément ce que ça semble être. Oui, puisque c'est des il y a des enchantements en fait dans les ce qui rebondit avec la narratrice d'ailleurs. Un peu dans tous les sens là, mais. Donc je sais pas. Après, je me demande s'ils ont pas parlé d'augure à un moment donné avec le devin, effectivement. Mais pour moi, le bel églantier, c'était plutôt un récit de ce qui s'était déjà produit. Oui, pour moi aussi. Et Mais apparemment ça continue, effectivement, parce qu'à Vert, on a l'impression que ça continue. ouais, mais pour moi, Avers, c'était pas le roman du bel églantier, justement, c'était un leurre. Ah, peut-être, oui, Mais c'est vrai. je me trompe peut-être, Ça peut, hein. ça peut. Tiens, on découvre encore des trucs, hein. Ah, oui, c'est sûr. Ça me surprend pas C'est moi du qui ai tout. confondu les deux moments, désolé. Mais après, effectivement, il y a quelque chose aussi sur le. Il y a aussi le texte chez la Lysandière. Et déjà, bravo surtout de t'être rappelé de ces détails-là, hein, parce que moi, concrètement, si je venais pas de le lire, je pense que je m'en rappellerais pas. Et si j'avais pas mis tous mes petits post-it. Mais. Est-ce qu'on parle de la Lysandière? Oui, là, tu voulais en parler, non? Oui, oui, bah, en parlant des dames, hein, parce que en fait c'est Audiard et la Lysandière, de toute façon les deux dames centrales dans ce tome-là, et puis il y a la notion de débat, quel que soit le sens, de toute façon, effectivement c'est entre ces deux personnages féminins-là que ça va se jouer. Mais la Lysandière, oui, on en apprend quand même plus sur elle, sur sa rencontre avec Edan et sur ses petits favoris, du coup. Mais moi, j'ai pas trop aimé, en fait, cette partie-là. Mais tout est très bien. Non pas que ce soit pas bien fait et pas intéressant, parce que c'était très bien écrit, très bien fait, très intéressant, mais là, vraiment, ce côté. Ben, c'est un peu le cliché de l'enchanteresse, quoi. Donc, la femme. Très belle, mais changeante et assez colérique, avec plusieurs affinités, plusieurs personnages sous sa coupe. Enfin voilà, j'ai pas. Je trouve que c'est intéressant pour plein de raisons, notamment sûrement le côté référence aussi dans les chansons de geste, des passages où les personnages sont un peu hors du temps et victimes d'illusions chez une enchanteresse, etc. Mais de toute façon, c'est pas un personnage qui est très sympathique, parce que de toute façon, c'est. Ouais, pas beaucoup de personnages sympathiques finalement, on s'était fait la réflexion dans la saga, et Edan, je trouve pas spécialement sympathique non plus, même s'il paraît jamais aussi faillible et aussi humain finalement qu'à ce moment-là, je trouve. À partir de là Non, qu'il c'est commence vrai. un petit peu à basculer, et quand Meliwesh disait qu'il est creux et que s'il se considère, il s'écroule.
Il y a un tournant, je trouve, à ce moment-là, dans la perception qu'on en a, nous en tout cas. Donc c'est une scène qui est importante, mais ouais, comme ils sont pas sympathiques, juste ça m'a fait de la peine pour Nem. Ou Oui. Naim, je sais pas Oh comment oui. le dire, parce qu'il a son petit rêve de ferme tout Oh, mignon là, c'est c'est triste. trop triste. Avec sa femme et ses enfants. Mais oui, et qu'on revoit Mirabilis aussi, qui se prélasse dans les illusions des gens là. C'est bien un chat ça. Et c'est là qu'on apprend aussi l'origine story de Cole. Oui, mais il y avait une allusion dans le beau trouvé déjà qui était un petit peu avant, je crois. Qui Oui, était on on des restes apprend du bel égorgé. Ouais, et c'est là du qu'on sang apprend ouais, qu'il elfique. est ouais, mi-elfe et mi-humain. Moi, Cole, je m'étais déjà posé la question de si c'était pas. C'est là où je vous dis, je suis partie à la quête aux indices et j'ai beaucoup, du coup, aimé les passages du bel églantier. C'est quand le bel églantier est à la recherche d'un changeline dans la ville de. Carcoen, c'est ça? Je C'est sais. Carwell aussi, non? Carwell, ouais, je crois que c'est dans cette Oui, ville-là. avec les Oui, morts qui sortent la nuit parce qu'il n'y a plus de ouais. temple. Et ben à ce moment-là, je me suis. Ce serait pas cool le changeline. Et du coup, c'est à partir de là, je me suis dit, mais le bel églantier, il pourrait très bien être Vaumacel. Cole pourrait très bien être le changeline. Et chaque moment du bel églantier m'a juste confirmé dans ma théorie. Que c'est un gamin qui poursuit. Ouais. Moi, j'ai pensé aussi au gamin, du coup. Alors, je sais pas si j'ai pensé là. Mais par contre, pour moi, le bel églantier, c'était lui depuis le tome 1. Je sais pas Ah ouais? pourquoi. J'ai vu des épines, je me suis pas posé de questions. Enfin, je sais pas, oui. Enfin, je pense que je l'ai lu dans un état semi-conscient, le tome 1, parce que je me rappelle pas très bien, mais je crois m'être dit ah, mais oui, il y a des épines, c'est lui, enfin, c'est le même. Ça fait sens, D'ailleurs, hein, je me disais, mais présenté comme ça. comment eux dans leur univers ça les. Enfin, si, ils commencent à se poser des questions dans le tome 3, en fait, quand même, t'as l'impression, les gens, Ouais, mais mais vous parce. ressemblez beaucoup à votre père quand même, Ouais. et Dan. Mais oui, c'est normal, c'était moi. Ouais, mais Ça, c'est c'est pas pour génial. autant qu'ils envisagent que Edan, c'est le bel églantier. Non, je parle pas du tout, par contre. Après, ils n'ont pas de vision d'ensemble à l'époque, ils se Ben croisent par-ci, par-là. oui. L'information circule pas aussi rapidement. Et tu vois, je crois que ça s'est mélangé dans mon esprit parce que c'est vrai que je me rappelais pas que l'histoire de la ville où il essaie d'échapper aux morts, c'était dans le 2, alors que si, c'est dans le 2, effectivement, C'est parce dans le qu'ils sont à 2, ouais. Carwell, pendant qu'ils racontent à Carwell. Ouais. Et après, ouais, il y a le beau trouvé dans le. Mais oui. Moi, j'ai bien aimé, du coup, quand tu. En fait, du moment que tu cherches des indices, ça devient très sympa, les laits du bel églantier. Faudrait que je les relise dans cette Dans cette perspective. optique-là. Ouais, peut-être que là ça m'amusera. Je pense plus. Parce qu'effectivement, moi, je crois que dans le 1, ça m'avait un peu gonflé aussi. Oui, moi aussi. Dans le 1, je J'avais me dis, l'impression bon, c'est que je pense bien. que je peinais à avancer dans le récit, j'avais l'impression que ça venait interrompre le récit. Alors qu'au fait, c'est vrai que si c'est là, c'est pas pour rien. C'est pas juste Ouais. pour faire du freestyle. Avec Jaworski, c'est jamais là pour rien, je pense. Hein. Un peu comme Non, avec à part Mafutine. peut-être les descriptions, mais c'est un autre sujet. Et peut-être qu'il y a des choses sur les anguilles, tu vois. Dans le tome 1. Est-ce que l'anguille ne symbolisait pas l'invasion ourmande sur le point de se produire? Peut-être. Sûrement. Faudrait le relire. Avec enfin une section anguille. J'espère qu'il y aura une section anguille dans le futur wiki. Tu pourrais Ça. faire la page, hein. Serais capable. Je pense à un truc, bon, pas trop de rapport, mais sur Ivorin. Oui, RIP. Ouais, RIP, puis pas RIP, puis RIP. Oui, Et là, j'ai ce chevalier mystérieux, j'ai pensé à Robert Strong. on est d'accord, moi aussi, complet. Un mystérieux chevalier champion qui réapparaît, qui pourrait être revenu. Oh là Mais là, déjà, il a là. fallu que ça monte au cerveau, hein. Moi déjà Revenu des à morts. la fin du tome 2, alors déjà après ce meurtre très martinien, quand on a vu à la fin qu'Odéhard était pas morte, Ben oui, t'as posé la je t'écris à question et moi Chrody en disant, mais tu crois que Ivorin ça va être pareil? j'ai dit non ou alors ça va être vraiment The Walking Dead. Résultat, le tome 3, est-ce que c'est pas exactement The Walking Dead? Eh ben si.
The Walking Dead à l'opéra à Verre. Enfin, c'est entre les zombies et les vampires. On sait pas trop. La Odéhard, C'est c'est un peu glauque. vampiresque. Ça fait Hein. penser aux vampires, ouais. Oh, la Et scène où d'ailleurs. il la retrouve, où il va chez elle, il est reçu en pleine nuit, c'est sympa. Elles sont géniales ces scènes-là. Et il Toutes les scènes l'embrasse en à plus. Vert. Ah, ah oui, elle tellement. Tu vois, il écrit tellement bien. Parce que tu sens qu'il y a un truc qui cloche dans cette scène. Quand c'était fait la réflexion, en plus pareil sur le Discord en disant mais cette scène du baiser elle est vraiment trop étrange. Et c'est à ce moment-là que tu te dis bon déjà c'est bizarre et c'est ça te confirme qu'il y a vraiment un truc bizarre à ce moment-là quoi. Et j'ai Mais toutes les trouvé. scènes à Veyr, elles sont trop cool moi je trouve en Ouais. fait. Mais c'est pareil, j'ai été pas mal angoissée à certains moments dans ce roman, dans ce tome 3. Ouais. Et des fois, j'avais vos notifications Discord qui arrivaient et ça fait un bruit. Ah, oh, j'ai sursauté, mais tellement de fois. Oh là là. Ouais, je pensais pas que ça prendrait cette direction. C'est assez sympa, un petit côté horreur qu'on Oui, c'est n'attend pas inattendu. forcément dans de la fantasy et qui était chouette, je trouve. Ça Je trouve change qu'en un fait, peu. si tu prends les trois bouquins, c'est presque un peu dissonant par moment, je trouve. Oui, T'as oui, oui. l'impression que ça part petite touche par petite touche, ça part un peu dans plein de directions différentes, mais c'est pas Et je. dérangeant parce que la balade est belle, mais. Ouais, et puis ça permet de te surprendre aussi, ça va jamais vraiment dans la direction où Ah tu ouais, par t'attends. contre, tu peux pas prévoir quoi. Bon, en J'avoue même temps, vu que. les personnages. C'est vrai que tu peux pas prévoir. Mais bon, moi, les scènes à Veyr m'ont donné le vertige. Ah Quand ouais. ils courent partout, Ah, enfin quand ils. pourtant j'ai du mal avec les descriptions architecturales. Je crois que c'est encore pire que les descriptions géographiques. Et alors Veyr dans le genre Arenol, Oh là là, oui. à visualiser c'est hyper compliqué. Mais quand même, alors Cole en plus qui m'agace en bon gamin tête à claque de son Un état, voilà. petit con. Plus l'architecture, j'ai du mal, mais pourtant c'est une de mes scènes préférées quand il crapahute sur les tours. Oui. Et pareil, t'as l'impression d'être sur les toits. Et moi, j'en ai eu des sensations limite physiques de vertige. Et ça, c'est assez dingue quand même en lisant d'avoir des sensations comme ça, je trouve. Ah, c'était très bien fait et j'ai trouvé ça très intéressant aussi que tout ce chapitre, toute cette scène avec Cole, il n'y aurait pas eu la suite, était de toute façon très intéressante telle qu'elle était, de par ce qu'elle te fait ressentir, tu vois le côté un petit peu effectivement tête à claque, t'as la statue du chevalier, enfin, juste comme ça, il n'y aurait pas eu autre chose, elle aurait pu entre guillemets suffire elle-même, mais le fait que ça a une implication pour la suite, ah, j'ai trouvé ça très fort. Je suis exactement la même chose. Parce qu'elle te paraît gratuite un peu comme Oui. ça. Et je me suis fait exactement la même réflexion après quand ils essaient de se barrer. Mais je pense que Et c'est. d'ailleurs, la statue. Pardon. Pardon. La statue qu'ils trouvent. Tu sais qu'on avait débattu sur le Discord que j'étais plutôt d'accord avec Shrody au début. Que toi tu disais Jezira pour Aidan dans la Ah tombe oui, dans le là, au niveau. cimetière, Ouais, Jezira ouais, ouais. 3 fois. Et en fait, c'est en voyant le nombre d'épines du coup sur le. Sur le bouclier de la sur l'écu de la Ouais. statue, que je me suis dit, ah, mais en fait, non, c'est Namand qui a raison parce qu'il a perdu beaucoup plus d'épines que 3. Ouais, Et il en sûrement. reste effectivement 3. Parce qu'il en a. Il y en a 7 sur le Ouais, bouclier de il en la a 7. statue. Et t'as la fleur aussi. Et la fleur, effectivement, moi je m'étais dit, bah, il a dû la troquer à la Lysandière. Et c'était ça. J'étais contente. Attends. On a des remarques dans le chat sur Cole. D'une part, elle me semble très inspirée du personnage de Puck, qui est très négatif, même si Shakespeare le rend assez sympathique. Je n'ai pas la Moi référence. non plus. Pas dans le songe d'une nuit d'été, Puck. J'ai pas lu non plus. C'est Nympha, notre respo. Oui, merci de vous adresser à la mais on présidente. n'aura pas Nympha ici. Non. Songe d'une nuit d'été. Ouais, c'est dans D'un ça. esprit espiègle. Oui, ce Ouais. bouffon. C'est une fée, un sprite, ou un sprite, je sais pas comment on dit, bref. Ou un bouffon espiègle. Oui, ça lui Ça va colle. bien. La scène avec la petite fille là. Horrible. Ah, mais ça m'a Oh là énervé. là. Faut dire qu'après ça, il se prend une méchante.
torgnole de la part du pro-chevalier. Alors Je c'est ne sais pas horrible, si c'est mais vraiment dans le code d'honneur, mais est-ce que vous il y avez a un petit ressenti de la côté. satisfaction à ce moment-là? Ouais. Un Avouez, s'il vous plaît, je me sentirais moins seule, moi, j'ai ressenti. Et en plus, c'est aussi une scène où il y a des choses qui sont révélées, du coup. Bah, si on parle d'inspiration, pardon. Non, on a Melly Wesh qui nous dit dans le chapitre 15 du tome 3, la Lysandia explique qu'elle se méfie de lui parce que c'est un sang mêlé comme Okan, le fondateur du culte du desséché. Tout à fait. Donc il est cité Bah, un du petit coup, peu dans après, ce j'ai lu moment-là. des théories comme quoi Cole, ah bah, il semble, d'après ce que dit la narratrice, il sera encore en vie à la fin et il pourrait devenir par la suite un antagoniste. Tête à claque. C'est une théorie que j'ai lue Ah ouais. sur l'internet. Je me fais la réflexion qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, l'identité du narrateur. Ah Mais oui. Qu'est-ce que j'ai été bête sur la fin, je vous jure. Enfin, franchement, alors pour ceux qui nous suivent, tout à l'heure, je dis aux autres, mais bon, on n'a pas la confirmation, on est d'accord. Je suis passée à côté d'un truc ou quoi? j'avais pas vu non Et plus moi. Shkodi et Willa me disent, mais t'as lu jusqu'au bout? Bah oui, j'ai lu jusqu'au bout. Mais moi, j'avais pas vu. Et Willa qui me dit, mais j'avais pas forcément fait attention à la dernière page. Je fais, bah lis-la moi. Puis elle me lit à la dernière page. Je fais, bah si, je l'ai lu. Et bah alors? Et bah, j'ai rien pigé. Je n'ai rien pigé. C'est grâce à vous que j'ai compris qui était notre personne dans la cave et notre narratrice. Oui, car il y a deux messages, je ne l'ai pas trouvé, hein. Là aussi c'est grâce au Jaworskist que j'ai vu ça. Ah, tu veux dire Donc à la que fin. quand tu l'as lu, toi non plus, t'as rien pigé à ce qu'il y avait Ah écrit? bah bien. Bah non, non, je m'étais dit, ah ok, chuchoteur, ah, voilà. Ok. C'est à peu près mon analyse passionnante. En fait, je sais plus le nom de ce truc, ça a un nom technique assez compliqué, Oui. mais il faut lire. Spoiler, enfin, si vous en êtes à là et que vous l'avez pas vu, prenez votre livre et allez le voir. Voilà, ça, mettez en pause et allez voir pour ce que vous pouvez décoder. Donc normalement, vous allez trouver un premier nom en prenant la première lettre. Donc c'est Lusinga, sachant que c'était déjà ce que beaucoup de gens disaient sur Internet après le tome 1. Mais en fait, il y a un deuxième truc à décoder, c'est les dernières lettres de chaque ligne et ça dit Sassanos. C'est aussi ce que disaient les gens après le tome 1. Et donc la théorie, c'est que c'est Lusinga, la narratrice, donc la magicienne qu'on connaît de Gagner la guerre. Allez lire Gagner la guerre si vous voulez savoir ce qu'elle fait. Et c'est aussi le personnage de la nouvelle, la troisième hypostase du recueil Le sentiment du fer. Et donc ce serait elle, la narratrice. Elle a des histoires à régler avec Benvenuto suite à Gagner la guerre. Donc ça explique les relations compliquées. Et surtout, elle est en conflit avec Sassanos. Et bah, du coup, enfin, en tout cas, on. Non, je vais peut-être pas dire comment ça se terminait dans Gagner la guerre. Je suis en train de lire le commentaire. Mais bon, bref, en tout cas, ce serait Sassanos, le monstre qui rôde dans la cave ou dans les sous-sols. Mais là, par contre, on sait pas trop... enfin, on ne sait en fait toujours pas comment est-ce que tout le monde est arrivé là. On n'a pas la Non. réponse de ça. Et moi, j'aurais jamais trouvé La parce qu'en fait, narratrice si nous tu viens dit pas de très gagner la clairement guerre et que t'as comment pas lu mes lire. nouvelles. Ah bah oui, là, tu peux pas savoir. La narratrice nous dit très clairement comment lire la toute dernière page en disant que le lecteur se fait nécromancien. Mais j'avais pas capté tout de suite. Mais je comprends pas quel est le Bah, lien moi, je entre comprends toujours pas, nécromancien ouais. et le fait de prendre la première lettre. C'est comme si tu lisais quelque chose qui était écrit sur une pierre tombale, non? Ben oui, mais sur une pierre tombale, je lis quand même dans ce sens-là, moi. Épée à ses os. Parce qu'en le lisant, on fait vivre les morts. Oui, Je ne mais suis pas sûr de comprendre. ah, Là, c'est que le. je pense que c'est par rapport à la dernière, pas à la dernière page, mais au dernier paragraphe sur comment l'âme de la narratrice arrive à s'échapper de la maison. Ah Via oui, ça, c'est l'écriture grâce des à livres. nous. Ça, clairement, oui. Du coup, ça se comprend. Mais par contre, il n'y avait pas d'indice sur comment lire
le truc qui dit Lucinia Non. et Non, faux. je crois pas. Et les morts, c'est ressuscité, Lucinga, Sassanos et Benvenuto. Bah, on ne sait pas s'ils sont morts, si. Après, elle dit que peut-être qu'on aura le livre entre les mains très 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 longtemps après qu'elle ait écrit, donc elle sait pas Ouais. où elle En tout cas, sera. c'est quand même très, enfin, ça, très intriguant. Oui. Mais là, pour le coup, et quand on dit on peut commencer par le chevalier des épines, on peut commencer par le chevalier des épines, effectivement, si tu sais pas qui est Lucinga et tu sais pas qui est Sassanos, ça perd de son sel. Ça perd de son sel, mais ça t'empêche pas de les lire, on va dire. Ça n'empêche pas de. Mais bon, ce mystère-là, en tout cas, forcément, bon, c'est Bah moi moins. sincèrement, je passais à côté sans vous, Mais. hein. Enfin, Ben, moi aussi. Hein. Schrödi Moi, l'avait. c'est. Bon, du coup, sans Schrödi, en Ouais, fait. c'est ça, Schrödi, tu l'avais évoqué après le tome, enfin la lecture du tome 1. En lisant le tome 2, l'introduction, je t'en. Est-ce que ça pourrait pas être l'inverse? Et en fait, je pense qu'il faudrait, comme je disais, de relire Gagner la guerre pour mieux le comprendre. Après, Lucinia, au bout d'un moment, j'ai compris les indices qui font que c'est la narratrice. Sassanos, comme on ne piège pas, Par rapport pourquoi à il en est arrivé Gradius. là? Il n'y aurait Bah, en pas. fait, on sait pas trop. En tout cas, il était avec Lucinga à la fin de Gagner la guerre. Et il y a toute une question autour de. Donc, Sassano, c'est un. J'allais dire un magicien, mais c'est un. C'est le mage de Léonide Ducator. Et en fait, on ne sait pas trop comment est-ce qu'il fait sa magie, quoi. Il fait des trucs sombres, mais on ne sait pas trop. Y a toute une discussion autour du prix à payer pour la magie, et on ne sait pas quel est le sien. Ou en fait, à un moment, on croise un autre mage qui, lui, se scarifie pour payer sa magie, et il dit que mais, faire ça, c'est toujours mieux que ce que fait Sassanos. Oui. Donc on peut imaginer que c'est un truc très sombre, et bah, c'est peut-être un truc qui, au bout du compte, l'a rendu. Enfin, la transformer en monstre, quoi. Peut-être. Et ce qui expliquerait pourquoi est-ce que là, il se trouve dans un sous-sol en train de rôder et de faire peur à tout le monde. Mais oui, il y a des indices un peu. Bah, elle a un lien avec le chat, notamment, Oui. avec Mirabilis, qui est en fait le chat de Guillaumer, qui était son mentor qu'on voit dans la nouvelle La Troisième Hypostase. On comprend qu'elle a une histoire, que le narrateur a une histoire avec Benvenuto, enfin qu'il y a un historique. On sait que c'est une magicienne, que la Lysandière, c'est pas vraiment une rivale, mais. Elle la porte pas Bah, dans son cœur, quoi. non, c'est ça. Donc, ouais, il y a des indices, mais bon, de là, je pense pas que j'y aurais pensé tout seul. Bah, en tout cas, plus facilement que Sassanos. Sassanos. Oui, c'est Elle clair. dit Sassanos, c'est quand même. Meliwesh dit est quand même un grand ponte des Dessicatoriens. Il flanque comme des dents hantées à Benvenuto. Le gars n'est pas Oui, clair. Non, le gars c'est n'est vrai. pas clair. Ça Alors, fait. à la fin, là, ça s'appelle un acrotéleton. Voilà. Accroté le ton? Oui. Très bien. Téléthon, t'écris comme Téléthon ou pas du tout? Merci. Accroté le ton, ça fait très grec. Ça pourrait être le nom d'un des personnages de l'Iliade. C'est clair. Accroté le ton, le frère d'Agamemnon. On peut pas moins bête ce soir. Après, comme la culture générale de Jaworski, Elle est élevée. oui, ça transpire dans les romans, c'est un truc de fou. C'est assez impressionnant. Je trouve qu'il y a une, c'est une, dans l'ensemble, une très belle trilogie. Chaque tome est bien soigné et l'ensemble fonctionne très bien. Ouais. Et ça donne envie de lire la suite parce que tout n'est pas réglé. Oui, du coup, par contre, moi, je m'en doutais un peu à la fin du 2. C'est que je t'ai dit, mais tu crois qu'il va réussir à tout clore dans le 3?
Ouais, mais j'ai pas non plus le sentiment de trop rester sur ma faim. Non, bah, ce qui concerne Aidan et... Ouais, Aidan est quand même pas mal de personnages qu'on a rencontrés pendant la trilogie, ça se clôt quand même pas mal. Bah, du coup, c'était Donc le je trouve qu'on chevalier n'est aux pas épines frustré. et ce qui a trait au chevalier aux épines, finalement, bah, Oui, voilà. on a fait un peu le tour. Ouais. Ça Dans la continue, ce crypte, sera il fait partie. longuement des descriptions de divinités à cornes de cerf. Ah. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas entendu. Meliwesh nous dit que, à son avis, il y a des allusions à Roi du Monde. C'est sa saga celte. D'accord, qui se passe pas du tout dans le vieux royaume. Non, Non, c'est justement, c'est un historique. autre. D'accord. Ça, c'est historique, c'est un roman historique en fait. Oui, tout à fait. Je sais plus de qui est inspiré Bélovèze. Mais oui, c'est plutôt historique. C'est vrai que ça faisait assez celte, je trouve. Ça faisait assez rituel celte dans le sous-sol, de façon de Veyr. Bah ouais, là c'est ça. Dans la crypte, il fait longuement des descriptions de divinités à cornes de cerf. Il est inspiré de lui-même, Bélovèze. Ah bah c'est le nom de Ah. du personnage. Bon, j'avoue que c'est pas du tout une époque que je connais, hein, déjà que je suis nul en histoire. Mais Bah ouais, tu alors fais là. des historiennes, non? Il a vaguement existé. Oui, apparemment, faut pas trop chercher. Faut pas lire sa page wiki, parce que du coup ça spoil. Ah oui. Non, mais personne connaît ça. Personne connaît sauf Jaworski. Est-ce Qu'on que... n'aurait pas fait le tour. Ouais, sauf si vous Je suis en train avez de me peut-être une... demander. Enfin, j'en sais pas, une scène marquante. Personnellement, moi, je trouve pas, en fait. Il y a beaucoup de choses que je mets en avant dans ces romans, mais pas le fait de pouvoir avoir un personnage préféré. Moi, j'ai bien aimé la narratrice. Oui, en fait, c'est la plus J'aime bien ces sympathique, hein. passages. Oui, ces passages sont très chouettes. Mais comme j'aime bien lire quand c'est Benvenuto Oui. enfin, ses points de vue. Ouais. Mais tu vois, je m'attache pas nécessairement à un personnage en particulier. Il y en a dont j'aime bien certains passages. On a Mirabilis dans le chat. Ouais, j'allais dire, Oui, on Mirabilis. a revu Mirabilis, ouais. Ça, c'était cool. Après, moi, c'est en fait ce qu'on disait, je redis, soit comme ils sont tous un peu antipathiques, et comme il y en a beaucoup, c'est des archétypes, bah, c'est dur de t'attacher à un archétype déjà. Et puis, ceux qui sont plus sympas, soit ils sont trop secondaires, soit ils sont trop naïfs en fait. Parce que moi, j'aime bien Kowir de Thèves et Naim, l'écuyer par exemple, mais finalement, ils sont tellement secondaires que. Ça. Bon, tu glisses un peu dessus, quoi. C'est Les beau. elfes, ils m'agacent un peu. La Lissandière, pour moi, c'était un mélange entre une fée de Zelda et Galadriel. Moi, ils m'agacent aussi. Mais c'est pas mal trouvé. Ouais. Et Après, moi, étonnamment, j'ai bien aimé les barbares. Je sais pas pourquoi. Mais Tu les parce qu'ils trouves sont fun, sans hein. phare, en Mais oui, fait, je les trouve fun. peut-être. Alors que de base, ça m'aurait. C'est plutôt le genre de personnage qui m'agacerait. Mais peut-être que, je sais pas, ils apportaient un peu de fraîcheur à Mais Chevalier Land. ça fait partie des peut-être des personnages entre guillemets les plus vrais, les plus transparents. Et en Oui. plus, ils crament des desséchés. Oui. Il leur coupe les pieds, Il il faut leur pas coupe qu'ils les pieds. reviennent. En soi, c'est pas con, hein. C'était très prosaïque, tu sais. Bah, Ça faut pas qu'ils reviennent, marche. on va leur couper les pieds. Écoute. Moi, j'ai beaucoup aimé. Parvenir en rampant. Oh. Mais ouais, je dis Odéarde, elle a du chien quand même. Ouais, elle a du chien, Odéarde. Oui. La plupart des meufs ont du chien quand même. Bon, il y a des échanges de piques et de répliques qui sont vraiment très Oui. chouettes. Je sais plus ce qu'elle leur sort à un moment au desséché là quand Mehdi, ouais, je disais tout à l'heure Aidan il l'arrange bien quand même à Odéard avant de partir. Et quand ils viennent la chercher, je sais plus ce qu'elle leur balance un truc à un moment. Mince. Cherche en même temps mais. Et la scène aussi où elle poursuit Cole sur les remparts, c'est
C'était bien creepy aussi, parce qu'il est Ah vachement bah bien ouais, fait. complètement creepy. Mais je vous dis, hein, les petites notifs Discord, j'ai pas mal T'as fait sursauté. sursauter. T'as raison, c'était une vraie ambiance d'horreur, je crois, c'était assez inattendu, mais enfin. Ouais. Remarque, dans le tome 1, Mirabilis, dans les cryptes, c'était un peu ça aussi déjà, mais. Avec les desséchés. Là, Est-ce si je retrouve. que oui, du coup, vous avez peut-être, j'en sais rien, un autre, une scène qui vous aurait marqué, une scène ou quelque chose de particulier avant qu'on conclue Mais un moi, j'ai petit peu beaucoup sur aimé cette Cole sur les trilogie? toits, du coup. Ouais. Je disais déjà tout à l'heure. Je trouve cette scène très cool. Moi, je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour. Bah moi, au final, je crois que c'était les passages du bel églantier, mais parce que j'étais en mode recherche d'indices. Détective Pikachu. Bah, t'as eu C'est trop raison, mignon, Détective Pikachu. Ah oui, j'ai trouvé ce qui m'avait fait rire. Bon, c'est toujours anecdotique, mais quand du coup ils sont dans les cryptes et ils tombent sur les desséchés là, avec Odéhard, quand ils sont tous à moitié morts à part Cole, et Odéhard qui est en pleine forme, du coup. Oui, bah oui. Et que les frères tout pourris là, du coup, ils leur disent le Très-Bas vous accorde la paix, marmotter un timbre lent, et qu'Odéhard répond la paix vraiment. En ces circonstances, voici un homme d'esprit. Voilà, ça m'a fait rire. Qu'elle tacle tout le monde en fait. Elle maîtrise les bons mots. Oui. Bon. Bah écoutez, en fait, on peut que conseiller cette saga, en gros. Bah oui, hein. Bah oui, hein. C'est dur de faire l'impasse, hein. En Mais tout cas, je... attention, ça vous. Pardon. Attention, ça vous donnera potentiellement envie de tout lire, du coup. Oui, c'est ce que j'ai à dire. Je pense que on l'avait déjà dit au tome 1. Le fait de le lire avec vous, j'ai trouvé ça encore plus chouette. Ouais, Moi aussi. Le c'était une cœur avec chouette les doigts. expérience. Et puis. L'important, c'est pas l'arrivée, c'est vraiment le chemin parcouru, ce Ouais, voyage avec oh, vous. c'est beau. C'est beau. Mais en vrai, je pense par contre que quand je relirai le tome 1 ou d'autres tomes, je vous écrirai de nouveau sur le Discord pour vous dire: Oh, mais j'avais Oui. pas vu ça! Trop bien! C'est sûr qu'on a loupé plein de trucs et là, on a oublié plein de trucs à dire. En fait, c'est chaud de faire Mais c'est un la livre vie. sur les deux tomes. De quoi qui est sur les deux tomes? C'est dur de C'est faire un un Twitch sixième, c'est un sur les deux tomes. sixième. Ah! Ouais, mais du coup, Ben forcément, oui, on oublie mais des trucs. j'ai oublié les trucs que je pensais à l'issue du tome 2, Ouais. donc avant de lire le tome 3, et puis bref. Mais bon, c'était déjà bien, on a bien discuté là. Puis moi, d'avoir enchaîné, je suis persuadée que je dois me confondre un peu les deux. Donc bon. Ça arrive. Nous ne sommes Pas de ça, qu'humains. ouf. Oui. Et de toute façon, les gens peuvent venir sur le forum pour en discuter. Exactement. Oui, dans la section idoine. Tout à fait. On n'a pas encore de discussion. On n'en a pas beaucoup discuté. C'est la présidente, elle a... elle a interdit les topics. Mais non, c'est La faux, c'est faux, c'est faux. fausse rumeur. Mais ouais, avec plaisir pour en parler avec vous tous qui nous écoutez sur le forum ou si à la relecture vous voulez nous réentendre parler du tome 1 ou de cette saga. Je pense qu'il y a peut-être des moments où j'irai revoir les lives en replay, mais juste pour me dire, ah, je pensais ça à ce moment-là. Oui. Oui, parce que parfois on oublie ses impressions de lecture. Oh, Ou bah les c'est blagues sûr, qu'on fait sur le Scrabble. ouais. Qu'on répète inlassablement, du coup. ouais. Mais tu vois, les théories, moi je sais plus si j'avais. Enfin, si j'avais des Oui, théories, c'est tu vois, dur en ça lisant le aussi. tome 1, ou. Parce que comme t'as les réponses quand tu continues, tu sais plus forcément après. Enfin voilà, c'était chouette. Ouais, je serais contente d'avoir C'était fait très ça avec vous. chouette. Oui, merci Moi Melly aussi. Wesh d'être restée jusqu'au bout et aux autres Tout personnes. à fait, de nous avoir appris des trucs. C'était très intéressant. Et puis bah du coup 13 février pour la cité diaphane et 20 février pour la saga de Cœur de Dragon. Eh oui. C'est ça. Super. Et puis il y aura aussi des lives sur nos bilans séries et nos bilans films. Ah!
trop bien. C'est quand ça? T'as des dates? Il n'y a pas de date encore? Non, on n'a pas les dates encore, mais ce sera sûrement en février. Mais Trop en chaud. mode Mais c'est pas encore bilan planifié. 2023, tu veux dire? Oui, c'est ça. De la Ok. même manière qu'on a fait le bilan des livres en 2023, on va faire le bilan des films 2023 et le bilan des séries 2023. Et bim. Parce qu'on ne fait pas que lire. Non. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous et merci de nous avoir suivis jusque-là. Oui, merci de nous avoir suivis. Merci Et à la beaucoup. prochaine. À bientôt. À plus.